Methylene deoxymethamphetamine, MDMA, an amphetamine-based synthetic drug with euphoric effect. Stimulant drugs speed up the messages between the brain and the body and can make a person feel more awake, alert, confident, or energetic. Tick, 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 more energetic. Ecstasy.
ecstasy is a street name for the drug methylene deoxymethamphetamine, MDMA, an amphetamine-based synthetic drug with euphoric effect. Stimulant drugs speed up the messages between the brain and the body and can make a person feel more awake, alert, confident, or energetic. Tick, 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 tick. Eh ouais, ça se lance direct comme ça, en train de regarder les crafts. Terrible. Non, en fait, je me suis trompé de bouton. Ça commence. Eh bien, re et bonjour à ceux qui arrivent, à ceux qui n'étaient pas là ce matin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du DDSS. Et je vous montre pas tout de suite l'espace où on est, parce que j'ai fait quand même pas mal de modifications dans la salle souterraine sous la base, en fin de compte. Pour qu'on puisse avoir plein de place pour travailler. Parce que hier, quand on était sur DDSS, qui d'ailleurs, la rediff n'est pas encore sur YouTube parce que j'ai eu tellement de choses à faire
que ma tête n'a absolument pas pensé à faire une rediff. Donc j'espère pouvoir y penser tout à l'heure quand j'aurai terminé ce stream. Mais du coup, on était en galère en se disant, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour mettre nos machines, il n'y a pas de place pour faire ci, il n'y a pas de place pour faire ça. J'ai fait un peu de place, j'en ai fait même beaucoup. Je sais pas si avec toutes les automatisations qu'on va devoir faire, on aura suffisamment de place. Mais on aura de la place. Ah oui, là cette vue, elle est directe sur les machines, tout va bien. Tout va bien. Du coup, on est dans une zone où il y a beaucoup plus de place. Hein. Allez, j'ai clean un petit peu. Le sol là-bas est en glowstone, comme ça, ça m'évite de poser des torches, j'ai juste à mettre des carpettes. Mais vous voyez, j'ai mis des carpettes partout là-bas. Hein. Et juste à côté de mes drawers, j'ai fait de la place. Et au final, il y a 8, il y a 8 espaces pour pouvoir mettre 8 channels. Donc voilà. Ah si, si, c'est du Minecraft Dungeon, je sais pas si ça se voit. Hein. J'ai mon épée et tout. Tout va bien. Ah, des crafts. Oui, c'est vrai que les crafts... En fait, j'étais en train de regarder combien de crafts j'avais besoin d'automatiser dans les Carpenters avec de la glu. Parce que maintenant qu'on a automatisé la glu, enfin, plus ou moins automatisé, parce qu'il va falloir qu'on déplace les machines automatiques de la glu, eh bien, on a des crafts qu'on va devoir placer et automatiser. Et j'ai regardé, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal, mine de rien. Donc ouais. Voilà, voilà. Alors. Donc ouais, que je vous montre. Hein. J'ai redistribué un petit peu les drawers qu'on avait là. Donc j'ai gardé le minimum. On a encore deux espaces ici si on veut ranger du bloc qu'on va pouvoir récupérer. On a de la place ici, donc j'ai installé 4 et 4, donc ça fait 8, puisque les channels de Applied, c'est 8. On aura la place d'installer justement les petits flacons comme ça. Donc on va regarder 8 là, et on va regarder probablement 8 là-bas pour les tanks. Je sais pas si on aura besoin de plus de tanks pour en fin de compte utiliser les liquides. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Non c'est tout, j'ai juste agrandi la salle parce qu'avant elle était arrêtée là en fin de compte la salle. J'ai creusé tout ça là-bas pour qu'on puisse avoir justement l'espace nécessaire pour travailler. Et on a un trou juste ici pour pouvoir se rendre vers l'end. Hein. Voilà, voilà, faut peut-être que je mette le son du jeu d'ailleurs. Tac, tac, tac. Nice. On a le son du jeu. Du coup... Pour ce qui est des quêtes, il nous en restait une à faire. J'aimerais qu'on la termine avant qu'on puisse avancer sur d'autres machines, d'accord? Il nous en faut 8. Donc on va faire ces 8 trucs-là, sauf que ces 8 trucs-là vont nous demander de planter du M-Fiber. Donc on va faire ça rapidement. Donc si on tape M-P, voilà, on va avoir besoin de planter ça pour pouvoir crafter ça finalement. Et avec pas mal de bonne mille, théorie ça devrait le faire. Bone. Bone block. J'aurais la possibilité de crafter des os à partir des squelettes à naissance. Peut-être qu'on fera cette graine là à un moment. Mais sinon dans le mortar. Dans le mortar on peut faire ça. Fossile. J'ai quelques fossiles qu'on va claquer avec le mortar. Histoire d'avoir de la bonne mille. Tu me diras, les fossiles, on a besoin pour rien d'autre, hein? Non. Clac. Clac. Et bone. Le problème, c'est que les os, ils ont été utilisés d'une quantité astronomique. À cause des crafts qui utilisent les os à la place des sticks. C'est un peu moyen, ça. Mais bon, c'est comme ça. La piste, voilà. Ça devrait être pas mal. Et bonjour à ceux qui arrivent. Alors du M ici, j'en ai pas. Il y a du mob qui s'est amusé à taper dedans. On va juste... je pense qu'on va passer la nuit déjà. Comme ça, on ne sera pas agressé par les mobs. Voilà.
Ça, on enlève. Le canot là. Tu me diras, on peut tout enlever. Hein. Parce que le blé, on peut le crafter maintenant. Ça sert à rien de garder ça. Alors, ouvre pas ça. Range ça directement comme ça. Voilà. Et on plante. Oh, c'est tout. C'est good. Alors, ça serait bien d'arrêter de donner des coups de bonne mille là-dedans. Ça, c'est non. Ouais, donne des coups de bonne mille là-dedans. Ah, quelle horreur! C'est quoi la hitbox de ces trucs là? Je te jure. C'est bon? On est bien. On commence. On vise directement le sol. Tu me diras, ça marche pas quand je vise directement le sol, c'est bizarre. Hein. On a déjà un stack. Je sais pas si ce sera suffisant. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Hein. C'est l'osmose inverse. Bonjour à moi du futur. Qui doit encore attraper 40 rediff. Eh bien, bon courage. Alors, si je fais ça, on a que 17. Ça en fait que 3. Donc, clairement, il nous en manque. Hein. Clairement, il nous en manque. Tu me diras. J'ai plus de graines, on va les planter. Let's go. Ok. On va se faire tout le champ directement. Peut-être qu'on en aura besoin plus tard, on va savoir. Ça fait beaucoup quand même. Mais au moins, il y a de ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a juste une bonne mille à poser quand c'est full gros. Quand c'est à la taille normale. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Bah, une fois qu'on aura fait cette quête, on va probablement commencer à crafter des machines et à gérer nos P2P avec nos câbles. Peut-être essayer de les cacher pour pouvoir mettre nos export bus de fluide. Pour utiliser de la glu un peu partout. Et je pense qu'on va devoir se crafter quelques carpenters, mine de rien. Ok. Ouais, on devrait avoir ce qu'il nous faut là maintenant. Ou alors on essaiera de regarder ensemble si on peut trouver une zone pour travailler astral. Ça pourrait être aussi une idée. C'est sérieux ça? J'en ai que 6? Oh, j'ai pas assez. Oh, cette quête. Cette quête. On a juste à les faire grandir encore une fois et c'est bon, mais quand même. Incroyable.
Non. Salut ceux qui arrivent. Tomber dans l'eau. C'est good. Ouais, on me l'a fait passer bon là. Hein. Coucou à toi, Beraktar, qui du coup regarde les rediffs. Coucou à toi. Merci d'être passé pour dire coucou justement. Voilà. Ok, good. On a fait la quête. On peut ranger ça maintenant. Et donc ça nous termine cette page là. La tier 1. La tier 1 est maintenant totalement terminée. Hein. Bonne chose de faite. Ah non, il va pas en manquer un, c'est bon. On a pas mal de loot bags, on va les ouvrir comme ça, ça nous fait de la place dans, dans Applied. Alors. On a évidemment des choses qu'on va devoir jeter. Hein. Ça je prends. Ouh, ça c'est pas mal, je prends aussi. Par contre ça je veux pas. Et donne-moi ton épée. Fous-moi ça à la poubelle. Voilà. Elite Universal Cable, ça c'est bien ça. Osmiridium, c'est pas mal aussi. Ast 2, bois bof. Greenhouse Glass, c'est pas mal. Ouh, Tyson Fist. Ça fait mal, mais bon, j'ai des outils qui sont plus puissants maintenant. Majestueux élément, c'est cool. Looting 3 pour avoir un looting 4, mais je crois que j'ai déjà looting 4 là-dessus. Hein. Oui. Fortune 3. Hein. On va ranger ça en attendant. Il y a juste ces trois trucs-là que je vais pas ranger. La viole, je peux la ranger. Fous ça là-dedans, dans les tomes, et ça dans les bouquins là-haut. Salut Gauthier. Fous ça en vrac là-dedans en attendant. Voilà. Tu me diras, je peux continuer à ouvrir ici. Hein. Ça, j'en veux pas. Ok. Très bien. Paf, paf. Pas grand chose dans ces bagues là. Hein. Nope. Pas grand chose. Bon alors, on jette quoi? On jette l'arc. Et le reste on peut le garder. Hein. Nice. Ok. Alors en termes de P2P, on va devoir utiliser un P2P je pense que pour les liquides. Donc là on utilise déjà un bleu. Je pense qu'on va utiliser un light blue pour les liquides peut-être. Light blue ça peut être pas mal. Cable. Est-ce que j'ai encore assez de pattern? Ah j'ai encore assez de pattern, ok. Parce qu'en termes de câble, j'aimerais lui apprendre directement à faire des dents. Donc à faire ça, pour du coup faire ça, et du coup faire ça. Et la laine, on va lui apprendre à en faire. La laine, ce sera fait avec des strings, et les strings, ce sera fait avec les spider essence. Parce que je crois que string, il connaît pas. Hein. Non, ok. Good, good, good. Je pense que je vais pas trier mes autocrafts. Hein. Ils vont être rangés comme ils peuvent être rangés.
Donc là, si je veux des fluix, c'est que je lui en veux 10. Il va me faire 2 sets de craft, donc il va m'en faire 16. Et bonjour à ceux qui arrivent. Là, on va juste commencer à déplacer quelques câbles en P2P. Ah non, il m'en a fait que 10, ok. J'en veux un autre. On va déplacer nos câbles en P2P pour qu'on puisse travailler... Enfin, pour qu'on puisse avoir des choses plus clean, parce que ça, c'est pas clean. Le câble qui descend ici et qui va jusque au final qui est connecté là, hein. Je pense que je vais le faire passer par au-dessus. Faut juste que je puisse avoir un accès. On va faire un accès ici pour l'instant. Parce que ouais, le câble passe par en dessous et se reconnecte ici. Alors que ce serait plus sympa de le faire passer par au-dessus. Et si on le fait passer par au-dessus, il faut rester à peu près au milieu. Donc on va tirer le câble comme ça. Je pense qu'on peut le faire passer là, le câble. Et genre ici, on mettra des façades. Je me demande si je peux mettre une porte. Une porte au niveau d'une façade. Et pareil, je me demande si je peux mettre des câbles ici. Ce sera à tester. Justement, on va tester ça. Donc oui, au niveau du câblage, on veut du light blue. Light blue flower, bah écoute. Ah, j'ai du light blue pétale ici. Mortar. Ok. Clac, ça devrait être suffisant. Et comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Non, redescends s'il te plaît. Au niveau du câblage, on va pouvoir faire traîner un câble qui descend à peu près au milieu là, qui va se splitter avec un P2P là, un P2P là, donc ça ferait 16. Un P2P là, donc ça ferait 24. Qui sera connecté sur le même. Moi je pense qu'on va faire ça. Donc on va utiliser un câble rouge qui passe par là-bas. Cable. Câble rouge. Donc on tire le câble. Je pense même qu'on peut passer directement. Ah, il y a l'escalier, ça va pas le faire. On va pouvoir mettre de façade sur l'escalier. On va le faire juste descendre comme ça. Et ensuite j'espère que les façades que je vais mettre au-dessus fonctionneront. Et tiens, il y a une chose que j'ai oublié de faire aussi au niveau de mes câblages. C'est me mettre des smart cables. Pour savoir combien de channels j'utilise là, combien de channels j'utilise là, etc. Est-ce que du smart j'en ai? J'en ai pas forcément. Tac. Donc applied. Au niveau des câbles, on veut du smart comme celui-ci. Voilà. Et du coup, je peux aller là et lui demander des smart. Hein. Smart cable. Faisons une dizaine. Bonjour à Kirst. Fedwin, bonjour. Relord Duval. Huxley, t'as pas raté grand chose. Red. Tu vas utiliser ça, ça ira bien. C'est beau la technologie. Quand ça marche, c'est beau. Donc ouais, je vais enlever ça. Et on va se mettre ici un smart. Comme ça, je sais combien de channels j'utilise. Là, il est marqué 0 sur 8. Hein, alors qu'ici, on voit pas. Je vais cliquer sur le bon bouton, s'il te plaît. On va ranger ça, on n'en a pas besoin. On se pose là. On va enlever... On est sur 100 là. Ok. Donc là normalement on sera bien connecté. On va pouvoir enlever le câble noir qu'il y a là. Qui au final est pas très beau ici.
Très bien. Normalement, j'ai toujours accès à toutes mes affaires, yes. Et donc, ce grand câble, il faut le virer. Et vous allez voir, c'est un sacré schmilblick au niveau du câble en dessous. Donc, je vais te faire tout le tour de la bedrock. Oh, c'est chiant. Ok, nice. Gentiment. Il manquait une carpette. Et j'en ai pas. Bon, il y aura une carpette en moins là-bas. Coucou le Kazim. Ça marche, Zorion, là-dessus. Ça c'est good. Il va falloir que je mette des... Alors pas ici, voilà. Donc encore. Ok, t'es 4-8, donc là on est bon. Voilà, là on est bon. Alors est-ce que ça le fait? Si je te pose ça là. Alors c'est sûr qu'avec le concrete ça passe bien. Quoique... Faut d'abord ici peut-être que je te mette ça. Ah, ça va pas le faire ici. Ah si, ça le fait, ça le fait, ça le fait. En fin de compte, c'est au niveau de la connexion des textures. Mavrench. Please. Voilà. Alors on va enlever celui du dessus qu'on n'a pas besoin. Merci. Voilà, on connecte ça ici. Maintenant, ce que je veux vérifier, surtout, c'est savoir si je peux remettre ma porte par-dessus. Oh, yes. On peut. Ça, c'est bien. Voilà, ni vu ni connu. On n'a pas l'impression qu'il y ait des câbles ici qui passent. Impeccable. Impeccable. Juste en dessous, ça se voit, mais ça, en dessous, encore une fois, on pourra cacher si on le veut, hein. Ça va rester comme ça pour l'instant. En dessous, tout ce qui est détail, je m'en occuperai plus tard. Hein. Mais du coup, là, on n'utilise qu'un seul channel. Donc ça, c'est bien. Donc on va remonter là. Et du coup, ce câble rouge, je vais pouvoir le faire passer derrière. Et le redistribuer vers là où je veux qu'il y ait du P2P, en fait. Et le P2P qu'on va utiliser, ce sera... j'ai rangé ma wrench. Bien joué, monsieur. Le bon bouton, il est là. On va prendre celui à côté du bleu. Quoique, lui, le 32 sur 32, c'est celui-là. On voudra le même à côté. Donc on va peut-être laisser celui-ci de dispo. On va peut-être prendre lui. Tiens. Ah oui, là, je fais en sorte que les câbles soient bien rangés, tout propres. Hein. Il faut, il faut. Alors les P2P, ça sert à quoi? Ça sert que dans ce câble-là, j'ai que un channel sur 8. Mais un channel est égal à 32 si on veut. Avec les P2P. Et merci Zoria pour les 10 bits. Ça c'est juste pour le badge. Tchuss. Bah GG pour le badge. C'est ça, c'est comme compresser des gros channels. Oh. Donc là on est ok. Il faut maintenant... ici. Tous les câbles que j'ai mis en dessous, ils vont dégager. Ok. Enfin, les blocs que j'ai mis en dessous. Très bien. À ce niveau-là, il faudra qu'on mette du câble bleu ciel, en fait. Parce que nous aurons... Tu me diras, j'ai pas besoin de prendre du gros dense cable. Juste besoin de prendre du câble comme classique. Cable. À un moment, il va falloir que je me fasse pas mal de patterns et qu'on fasse des crafts de tous les câbles. Là. Light blue. Très bien. Mmh.
Après, on aura le câble rouge ici, comme je disais. Qui va ramener le P2P, hein. Et câble rouge qui va ramener le P2P, il va être là. Est-ce qu'on monte à une certaine surface ici ou ça va être... non. Ok, on arrive là. On est où là? Ah, il est là le câble rouge, ok. Mes outils m'appellent. Que j'ai mis en cobalt d'ailleurs la pelle, parce que j'en avais marre d'avoir une pelle toute petite. Boucher, on n'a pas besoin. Donc ouais, on est là, et si je tire le câble ici, ah, ça peut le faire. Genre comme ça. Cable, il me faut du câble rouge. Red dye, si j'ai juste dye. Ah, il va pas me trouver de rouge. Mort. Viens-moi ça. Voilà. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Voilà. Moi, je suis sur serveur actuellement. Mais je suis tout seul en train de jouer. Ok. J'ai ma base secrète sur Palladium. Ok, P2P. Très bien. On va avoir besoin de notre carte. Et merci, Juju Leroux. Juju Leroux. Pour tes 100 bits. Bon matin du Québec. Eh bien, merci à toi. Merci. Alors, moi aussi je peux le faire. Hein. Je peux en mettre plein, ça changera rien. Hein. Hop là. Et merci Maxou pour les 5 bits. Pour ne pas gaspiller, tu peux connecter le petit câble bleu ciel à un dense qui sort du P2P. Non, j'ai pas besoin. Et puis ça gaspillera rien du tout. Parce que là actuellement j'ai juste besoin de 8 channels, pas de plus. Hop, on load. On load. On va un flux d'export bus là. Où justement je vais mettre... eh bien ça. Ah, je peux pas le faire comme ça directement. On va devoir prendre... celle... Ok. On va le configurer correctement. Nice. Ok. Donc ça c'est bon. Le bleu ciel ici il a qu'un seul channel sur 32, mais il a la possibilité d'en installer plusieurs. Ah oui, il faut arrêter de martyriser la touche point d'interrogation. Je changerai pas la musique, non. Ok. Donc déjà, on a dégagé le problème qui nous dérangeait ici. Là, on a 3 channels parce qu'on a installé 2 P2P. Et il faudrait qu'on en installe un autre ici. Pareil pour les câbles. Mais je pense que là, je vais directement mettre des façades. Je vais directement cacher les câbles ici en façade, comme ça on sera pas mal. Façade. Je sais pas si ce sera suffisant. Ok. Donc ça se voit pas, mais du coup ici on aura la possibilité de mettre pas mal de tank. Si je veux même, je peux même en mettre une deuxième rangée là-haut. Ah, ça pourrait être pas mal ça.
Ça pourrait être pas mal, ça. Je pense qu'on va faire ça. Oh, plus de façade. Dis donc, monsieur Al-Kazim, les gros mots, là. Calmez-vous, hein. Faut montrer l'exemple à la jeunesse, hein. Ok. J'ai pas besoin d'un tank entrée et tank sortie, j'ai juste besoin d'un tank sortie. Il récupère ce qu'il y a dans Applied, lui. Uniquement. Et ensuite, avec un autre tank, je le déplace où je veux. C'est ça l'intérêt. Brownstone. Alors on va laisser ça comme ça pour le moment. Hein. Donc là on va camoufler le câblage. J'ai juste besoin de faire ça et puis c'est bon. Voilà, niveau est connu. Ça fait propre. Apply nous distribuera toujours ça là-dedans et ce sera bon. Brownstone, c'est Chisel qui la donne. Ok, cette automatisation là, il faudra à un moment qu'on la mette ailleurs. Dans tous les cas, cette automatisation-là, en fin de compte, on peut s'en servir pour plein de choses. Hein. Parce que là, on fait du verre, là, on fait de ça, mais on pourra grinder d'autres choses. D'ailleurs, en attendant, on peut peut-être le garder pour justement pouvoir se faire d'autres autocrafts. On va faire ça rapidos. Parce que là, actuellement, ce qui nous manque pour pattern, si on veut en faire, je sais pas, 100. Allez, il nous manque du quartz glace. Donc, le quartz glace, on va regarder comment faire. Le quartz glace, ça se fait à partir de crush quartz et du verre. Le verre, on le sait, le fer, et le quartz, le crush quartz, au final, j'ai juste à lui apprendre. Et ce sera, dans le crusher, ça. Voilà. Donc ça, je te le donne dans le crusher. Et enfin, ça, je te le balance dans les crafts à faire. Donc maintenant, si j'arrive et que je lui demande des patterns, je lui en demande 100, allez, go. Il est capable de me les faire. Bon, le seul truc, c'est qu'il va prendre un peu de temps, étant donné qu'on n'a pas encore d'acceleration card. Mais les acceleration cards, pour les avoir, il nous faudra des advanced cards avec du flux, donc flux, pas de problème. Mais l'advanced card, ça va nous demander du calculation. Et le calculation, c'est un craft du carpenter avec de la glue. Sauf qu'il va falloir qu'on mette d'autres autocrafts dedans, puisqu'il va falloir qu'on autocraft et la cuisson des circuit plates et la transformation avec les purs certus, donc dans un enrichment chamber. Le craft des advanced, qui va me demander le craft des basiques, qui va me demander le craft des transistors. Donc il me faudrait un carpenter, deux carpenters, trois carpenters, quatre carpenters. Déjà rien que là, maintenant il me faut quatre carpenters. T'as pas mis de coup de wrench dessous de TME interface. J'ai pas besoin de les mettre. Tu peux en mettre si tu veux, mais t'es pas obligé. Donc ouais, on avait dit 4 carpenters. Bon, on va y aller. On va faire le nécessaire pour faire 4 carpenters, c'est compliqué à dire. J'en ai 2, il m'en faut 4 autres. Alors pour l'instant, les carpenters, on va... Tu me diras, est-ce qu'on s'embête maintenant, tout de suite, à en faire plein? À en faire vraiment beaucoup. Tu me diras, il me faut les microchips. Bon, j'en ai plein des microchips. Alors, j'ai ça là-dedans. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Marteau et pioche, pas besoin. Les advanced, j'en ai combien? J'en ai beaucoup. Pourrais-tu montrer comment automatiser les tables d'extended crafting pour autocrafter les carpenters par exemple? Alors les tables de... Ah, tu parles d'automatiser ça? Non, je vais pas le faire. Aujourd'hui, on va pas s'en occuper. Parce que c'est beaucoup trop de travail pour pas grand chose. Parce que si je veux automatiser ce craft là, avec ça, il faut que j'automatise et ça. Enfin, tout ce qu'il y a là-dedans, il faut que je l'automatise. Donc pour l'instant, non, on va le faire petit à petit.
Et je pense que là maintenant, on va se donner pour objectif, et c'est peut-être un objectif un petit peu olé olé. Mais je vois dans le chat, on me propose de faire un stack de Carpenter. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de se faire un stack de Carpenter. Étant donné que, vu tous les crafts qu'on a dedans, si au pire on a des Carpenter en trop, bah c'est pas grave, au moins on les aura eu. Donc on va se faire un stack de ça, hein. Donc qu'est-ce que ça va me demander ça? Ça, faut que je fasse dans l'Advanced. Copper Tank. Tout le reste, ça ne se fait pas dans l'Advanced, hein. Non, il n'y a que ça, il n'y a que les Copper Tanks qu'il faut que je me fasse dans l'Advanced. Ok. J'enlève tout ça. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Ok, 13 stacks de copper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait beaucoup de copper, hein. Oui, c'est ça, pas sûr que 64 ce sera suffisant. Mais au moins on les aura et on pourra commencer à les placer et à trouver un moyen intelligent de les automatiser. Ah oui, les 64 Carpenters, faudra les automatiser, mais ça avec les P2P, ça posera pas de problème. Pour l'instant, on n'a qu'un anneau, mais plus tard, on aura le cube, et dans le cube, on mettra beaucoup plus de P2P. C'est quasi certain. Oh, c'est long. Il faut combien de verres? 9 stacks de glace. Ça fait combien ça, 9 stacks de glace? 576. Go. C'est pour ça les minerais de charbon. Les minerais de charbon, je les ai dégagés maintenant. Mais oui, les minerais de charbon, ils étaient placés de telle sorte qu'on puisse visualiser le cube qu'on voudrait faire. Et chaque face d'un AME contrôleur me permet d'avoir 32 channels. Donc en termes de channels pour automatiser, on aura techniquement tout ce qu'il nous faut. Techniquement. Et merci Pierre Le Gommet pour ton deuxième mois d'abonnement. J'ai enfin trouvé comment le redoubler. Nice. Merci à toi Pierre Le Gommet. C'est super gentil. Ah oui, ça en fait des ressources pour un stack Carpenter. Hein. Complètement. On aurait pu utiliser des futurs à blocs comme on me l'avait dit, hein, mais bon. Les ME. D'ailleurs, je les ai même plus ici. Les ME contrôleurs. Pas contrôleurs. C'est tout ça. Et ce qu'il y a de chiant à faire en fin de compte, c'est ces trucs-là. Mais là, on avance petit à petit pour potentiellement les automatiser ceux-là. Donc une fois qu'ils seront automatisés, on sera plutôt pas mal. Mais vous voyez, avec tout ce que je suis en train de me dire, on n'aura peut-être pas assez de place avec tout ce qu'on a là. Hein. Clairement. Hein. Les upgrades de ces machines, c'est-à-dire... Ah, des Carpenters? Il n'y a pas d'upgrade pour les Carpenters. Les seuls upgrades qu'on pourra avoir, c'est avec les crafts auto. Enfin, avec ces crafts custom, pardon. Qui me demanderont du boosting mixture. Et je pense que dans un premier lieu, on va pas forcément lui en demander des boosting mixture, puisque on va pas avoir la possibilité de l'automatiser tout de suite, ce truc-là. Puisqu'il va nous falloir du Naquada, et le Naquada, c'est avec le Ore Void Tier 4. Ou tier 5, je crois. Je sais même plus. Ouais, je l'ai pas. Une Naquada pour l'avoir. C'est avec le tier 5. Et le Naquada, j'en ai besoin. Pour justement créer le Refine Boosting Mixture. Après, pour automatiser le reste, c'est-à-dire le Blood et le Dark Magic Essence, c'est pas trop un problème. Ok, on a tout ça. Est-ce que le verre il est fini? Non. Donc il va nous falloir 3 stacks d'ardennes de glace.
Et 1, et 2, et 3. Bon, c'est du style, mais c'est pas grave. Hein. On va attendre que ça se termine et on sera bon. Ouais, ça fait beaucoup plus propre en dessous, clairement. Ça coûte ça, les machines. Donc, il faut de la super glue et puis il faut tout ça. Il faut les advanced, il faut ces trucs-là, qui me demandent ces trucs-là, qui me demandent ça, qui me demandent ça, qui me demandent ça. Voilà. C'est pas cher, mais il faut les faire. Ah, il a fini. Ok. Nice. Copper tank. Ah, il veut du hardened glass classique. Ah, est-ce qu'on peut le remettre en classique? Il est chiant. Hein. Oh. What? Ok, on peut pas récupérer du hardened glass classique. Très bien. Bon bah. Regardons exactement ce qu'il nous faut. Vanadium et pulvérisé d'obsidienne, ça va m'en donner 2. Il me faut 3 stacks. Donc faut que j'ai 3 stacks de vanadium déjà. Et 3 fois 8 stacks d'obsidienne. Vache. Ok, vanadium, tac. Ça, je vais faire le triplé. Pour récupérer un stack de lingots et le recracher. 1,5 stack de... Oui, bah oui, oui. D'ailleurs... Hardened glass, il existe. Damn it, je l'ai pas. On pourrait se faire la carte hardened glass en fait. Pour directement aller le craft, enfin aller le chercher, mais bon. Il nous faudra un absorbeur qui va absorber énormément d'hardened glass qui va nous prendre un peu de temps à faire donc. Ouais, ça vaut pas forcément le coup. Bon, de toute façon, j'ai ce qu'il me faut en vanadium du coup. Hein. Peut-être installer le nécessaire là-haut. Ok. Voilà. Et du coup l'obsidienne. C'est une aile. Oui, il y a d'autres recettes mais qui coûtent beaucoup plus cher. Donc un d'obsidienne pulvérisé, ça me donne 4. Donc il va me falloir... ça me fait 8. Faut juste 3 stacks. Ok. Va falloir être patient. On peut pulvériser ailleurs celui-là. Enrichment chamber. Bon, faudra peut-être aller plus vite là-bas. Ouais, on va beaucoup plus vite là-bas. Oui, pour le moment ça vaut pas le coup, mais plus tard clairement un monde pour récupérer certaines ressources, ce sera bien. Puf. Bon, sinon j'étais en train de réfléchir à quelque chose l'autre jour. Je me demandais... Oh putain, il va vraiment pas vite celui-là. Je me demandais au niveau des horaires de stream. Là on a pris l'habitude de streamer le matin et l'après-midi. Mais plus on va avancer dans le temps, moins évidemment les gens auront des disponibilités l'après-midi.
Est-ce que restreamer le soir sera une possibilité pour vous? Tu en as eu des substances? Hein, des substances? J'ai pas compris. Ce qui me plaît, moi, c'est streamer, que ce soit l'après-midi ou le soir. Si on stream le soir, c'est on reprend à 21h, on termine à minuit, quoi. Et ma santé va très bien. Ah! C'est beau. C'est beau ce vote. Moi, ça me convient. Le stream le soir. De base, je l'avais changé, si vous voulez, pour pouvoir avoir mes soirées. Mais au final, je fais plus rien de mes soirées en ce moment. À part regarder d'autres streamers ou regarder des vidéos. Ou avancer sur mes jeux, mais... Mais au final, vu qu'on avait changé les horaires avec le confinement et que tout le monde pouvait regarder finalement les après-midi, peut-être en même temps que leur travail, même si c'était pas bien, ils pouvaient. Tous mes problèmes ne sont pas réglés, mais il y a une partie de mes problèmes qui sont réglés. Donc c'est pour ça que je vous demande. Greg bloque le soir. Comme ça, tu stream matin, midi, soir. Alkazi, me tente pas. Ça a voté pourquoi? Pour l'instant, on a du 84% oui le soir. Alors quand je dis le soir, ce sera pas tout de suite « Oh, ce soir, bim, stream !» ou alors « Oh, demain, stream le soir !» Si on fait un changement, moi j'aime bien que les changements se fassent en début de semaine. Donc ce sera lundi, quoi. Ok, on aura tout ici. Voilà, notre stack de copper tank. Déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir qu'on ait un stack de tout ça. Au niveau du modpack, oh, on n'est pas du tout avancé. Le jour où j'aurai commencé à automatiser, enfin le jour où toutes mes machines là que tu vois là, seront connectées à appel énergétique et automatisées, je dirais qu'on est à peu près à 60-70%. Mais il nous reste encore des planètes à visiter. On n'a pas encore fait Draconique. Pardon. Donc voilà, il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Hein. Quel est le meilleur power cell, power crystal de Earthwell? Je sais plus, mais je sais qu'il y en avait un qui donnait énormément de puissance. Hein. Tu peux regarder mes rediffs sur Mystical Skies, je l'ai utilisé. Wow. Dorkatipus, oh là, attends, Dorkatipus, merci à toi pour les 5 subs. Ouf. Du coup, Jaguar, Panthère, Guinest, Alkali, Tegaomon et Big Dream. Bienvenue à vous 5 et un gros GG à Dorkatipus. N'hésitez pas à le remercier et à envoyer la petite émote Chest Venom, fait par monsieur, évidemment, Basilic Vegeta. Très bon monsieur. Donc du coup, on est sur du 82% de personnes qui sont OK pour reprendre les streams le soir. Donc je pense que d'ici lundi prochain, on reprendra les streams le soir. Après, on a le temps d'en rediscuter, le temps de réfléchir à ça. Tout en sachant que moi, j'aime bien streamer le matin. Et que ces derniers temps, je me couche un petit peu après minuit. Donc on aura le stream le soir et peut-être le stream le matin. Si vraiment le stream le matin, ça devient compliqué, je pense qu'on aura stream après-midi et stream soir. J'aime bien faire deux streams finalement. J'ai pris l'habitude maintenant. Donc voilà. Basilic est doué pour autre chose que troll. Bah je lui ai donné mon PayPal, donc tout de suite, hein, quand tu parles avec les bons mots avec Basilic, ça va. Hein. Non, je bosse pas à côté justement, Twitch c'est mon métier. Alors on est parti, style, il nous faut 8 stacks. 6, 7, 8. Enori, ah ouais, c'est de l'Empowered Enori. Donc je pense qu'on va faire un stack d'iron.
Iron. Faisons 3000, ça t'en a. En attendant, on va faire ça en plaque. On est au 900e épisode du modpack. Deux modpacks depuis tes débuts. Et à la fin de ce live, on sera 2000 heures de visionnage. Ah la vache, c'est beau ces chiffres quand même. Je fais plus de vidéos YouTube en ce moment parce que mes problèmes ne sont pas entièrement réglés. Mais quand tous mes problèmes seront réglés, je reprendrai les vidéos YouTube. Et qu'on se le dise, et c'est pas des paroles en l'air, il y a pas mal de choses qui vont changer sur YouTube. Pas mal de choses que j'ai envie de faire depuis un moment et que je me retiens finalement parce que j'ai pas forcément le temps. Mais là, je vais trouver le temps. Puisqu'avec mon nouveau contrat Twitch, enfin, je dis ça comme si je l'avais, mais rien n'est acquis, hein, mais si j'ai mon nouveau contrat Twitch, j'aurai beaucoup plus de aisance à vivre ma vie avec Twitch en fin de compte, à gagner ma vie avec ça. Donc j'aurai plus de temps pour moi pour faire d'autres choses, donc on fera effectivement, Alkazim, des vidéos dégustation de produits japonais obscurs. Mais surtout et avant tout, des vidéos tuto sur les mods de Minecraft. Et je l'ai promis également, et ça j'oublie pas, hein, des vidéos tuto pour apprendre à faire des modpacks. Enfin des vidéos tuto, des vidéos pas à pas, si vous voulez des choses plutôt simples à comprendre. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que mes problèmes se règlent avant les débuts d'Holicube. Je sais pas quand est-ce que ça commencera, mais vu comment ça avance les snapshots, à mon avis on n'est pas très loin. Je sais pas quand. Quand Holicube commencera, peu importe où j'en serai au niveau de mes problèmes, à mon avis, je commencerai à reprendre les vidéos sur Holicube. Ça coûte cher l'Empowered pour en faire 4. Je sais plus. Ah, il n'y en a pas cette semaine. Ouf, ça veut dire qu'il y aura les pré-releases dans pas longtemps, effectivement. Merci The Titan pour les 500 bits, le petit soutien en bits notamment. Pour Agnamod 5 qui est vraiment au top, merci. Merci à toi The Titan. Merci beaucoup. Tu peux remercier Alkazim d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait un petit hint en disant « Ouais, il y a The Titan qui est sur Agnamod si tu veux host. » T'as d'ailleurs une chose que j'ai pas fait. Que je vais faire tout de suite. C'est, si j'arrive, c'est cliquer sur le petit cœur sur la chaîne de The Titan. Comme ça je sais quand il est en live. 24 heures sur YouTube. J'aimerais bien faire le 24 heures sur YouTube. On verra si c'est jouable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça va nous faire un stack. Et on va crafter ça. Ah, par contre, pour faire de l'Empowered comme ça, à mon avis, là, vu qu'on fait un stack, on va utiliser des hoppers. Hein. Affiliation Twitch? Non, moi, c'est bon, affiliation Twitch. Moi, je suis partenaire Twitch actuellement. Ça fait quelques années que je suis partenaire maintenant. Là, ce qu'on essaie d'avoir pour moi, c'est un nouveau contrat qui me permettrait de toucher plus d'argent par sub par rapport à ce que Twitch touche aujourd'hui. Ah, le 11 juin, oui, c'est le point de départ. C'est pas de ma faute, c'est The Titan qui jouera avec Damod. Bah là, c'est de la faute de The Titan. Ah oui, par contre, il y a un truc qui va m'embêter pour faire de l'Empowered. Oh, t'inquiète, Alka. Ça viendra. Je me fais pas de soucis. Au pire, ça marche pas. Hein. Tu connais la marche à suivre. Hein. Hop. Donc, hopper. Par contre, est-ce que je peux récupérer en dessous? Oui, ça c'est bien. Il y a même un minerai en dessous. Tiens, regardez ça, c'est pas beau? Incroyable. Dans pas longtemps, je détruis mes stats ce soir. Oui, avec Tezo. Après, tu sais pas, hein, si ça se trouve, il y a pas mal de personnes qui vont être à fond les ballons sur Tezo. Hein. Ah ouais. Alors. Donc il va nous falloir un stack de blocs de redstone, un stack de mana steel. Mana steel, bah, je vais prendre un stack d'iron.
que je vais transformer tout simplement. Redstone, il me faut un stack. Ensuite c'est briques. Ah non, c'est un stack de blocs. J'ai des bêtises, c'est un stack de blocs de mana steel, non? Ouais ouais, c'est un stack de... Ok. Donc il me refaut beaucoup d'iron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et en fait, ce qui va m'embêter, c'est l'inert. Bon, ça va m'embêter oui et non, parce que maintenant, du sang, j'en ai... en veux-tu, en voilà, hein, c'est plus un problème. Genre, si je prends ça. Ou alors mieux, tiens, je vais prendre ça, étant donné que là, il y en a beaucoup. Ok. On va aller dans le Magma Crucible. Et ça va vite. Et enfin, on prend un tank. J'ai du blood là. Parfait. Et on remplit ça. Ok. Oh ouais, ça va pas très vite en fait. C'est un plus gros tank que ça, il est deux fois plus gros. On va faire ça. Hein. Il accepte automatiquement les items par-dessus. Oui, tiens. Ça va se remplir et au fur et à mesure on va remplir le bordel. Comme ça on va les utiliser ces trucs là parce qu'on en a plein et on sait pas trop quoi en faire. En attendant, on peut en mettre un autre. Tu me diras, on peut juste faire ça. Hein. En attendant, voilà. Tiens. Ça va pas assez vite. Ouais, au final, je pense que... On va faire ça. Hein. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Duck. Il n'y en a pas un qui extrait très vite. On va utiliser celui-là. Hein. Cerveau. Hop. Ça va pas super vite, mais ça fait le taf. Alors je viens d'arriver, peux-tu me dire ce que tu as fait durant l'heure passée? On a reconnecté Applied correctement ici. Donc ça se voit pas au niveau du câblage, mais juste ici on a des façades d'Applied énergistique. Ok. Et ces façades là sont connectées là. Ici. Donc c'est un P2P de base que j'utilise, enfin un P2P, un câble de P2P. Mais on a juste un branchement là pour le ME Storage Bus. Et on a un autre câble rouge qui part là-bas pour justement là faire du P2P. Et ça se voit pas, mais pareil, ici il y a des façades. Et donc on a connecté notre Ender Tank qu'on avait connecté un petit peu à la Zub ici. J'ai fait quelques automatisations et là on part pour crafter un stack de Carpenter. Ouais, mais il n'y a pas les translocateurs. Il n'est pas sur le modpack. De toute façon, il me faut un stack. Il faut attendre que mon stack de comment d'Iron parte. Il a fini de vider? Ouais, il a fini de tout vider. Hein. Je vais pouvoir lui donner tout ça. Ok. Voilà. Ça vire. Du coup, il va nous en rester plus que 3. C'est très bien finalement. C'est la toile tendue, j'ai lu le The Toile Tendue, bravo. Salut à toi. Ça va très bien et toi, comment vas-tu? Il n'y a plus qu'à faire notre stack de mana steel.
Probablement qu'on peut faire les câbles de mécanisme pour déplacer tout ça. Hein. J'ai pas regardé. Oh là là, tout le mana qui part. Va falloir penser à se faire la graine de mana steel aussi. Hein. Est-ce qu'on se la ferait pas tout de suite? En même temps. Voilà, multitâche. Mana steel cimetière 4. Allez, c'est parti. On se la fait en même temps. Parce que là, là, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. 1, 2, 3, 4. Vous savez, beaucoup de mana utilisé pour un stack. Juste pour crafter un stack de machines. Et à mon avis, je vais en avoir besoin de plus, en fait, à un moment. Ok. Un plaisir de te regarder. Bah écoute, merci beaucoup. Ok. Donc au niveau des essences, il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16. Essence. J'en ai besoin de 16, s'il vous plaît. Bon, fais-en 20. Allez, go. Voilà, 16. On a besoin de 4 blocs. Impeccable. Là, on a ce qu'il nous faut. Et du coup, normalement, j'ai juste à lui donner ça maintenant. Et voilà, il va faire le stack. En attendant, on va lui demander les graines. Mais j'y pense. Je peux faire des autocrafts pour les graines. Eh ouais. Eh ouais. Ah, c'est pas du processing forcément. On veut cette graine là. On veut celle-là. On veut celle-là. On veut celle-là. Du coup, on va voir si c'est jouable. Hein. Après, on veut celle-là. Tiens, 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 et tiens. Du coup, fais voir si c'est jouable. C'est totalement jouable. La joie des autocrafts, messieurs, dames. La joie des autocrafts. Pardonnez-moi l'expression, mais ça trouve le cul. Hein. Alors, la musique est écrite en haut à gauche de l'écran si tu veux avoir le nom de l'artiste et le titre de la musique. Écoutez, monsieur Takinsan, il y a d'autres choses que les graines. Il va me falloir les crafters. Hop là. Et dirt. Hop là. Direction la toilette forest. Un colémote en haut à droite. Ah non, c'est en haut à gauche. Si j'ai dit en haut à droite, je me suis trompé. C'est parce que je vis dans un monde inversé, du coup, tout ce que je vois à droite, je le vois à gauche, et tout ce que vous voyez à gauche, je le vois à droite. C'est normal. Il y a déjà de la terre dedans. Très bien. Donc ici, ça va être mana steel. Voilà. Donc on va récupérer ici l'extraction. Ok. Quand j'entends ce genre de musique, j'ai envie de me faire un petit Wario World là. À l'ancienne. Ok, mana steel s'est récupéré automatiquement maintenant. Tout va bien. Faut juste que je lui fasse un drawer. Bonjour, tu as la graine de Manion. Manioan. Hein? J'ai pas compris. Et mais elle a quand un modpack hard avec Greg Block en live? Bientôt avec Alkazim. Je lui apprendrai à se servir de Greg Tech. Parce que je le vois galérer sur OmniFactory, ça me fait mal. Voilà, voilà.
Manuline, je crois que je l'ai fait la graine. Je l'ai pas plantée, je sais plus. Ah, Manuline. Merci Zenke pour les 10 bits. Many one. Veut dire plusieurs. Ah. Ouais, Manuline, je l'ai pas encore fait la graine. J'ai pas abandonné, moi, monsieur. Moi, j'ai pas abandonné. On m'a bouli. J'ai fait une miscellanée, on m'a bouli. Et je pleure. Quand je voulais faire ci, regardez. Je vous fais une... comment on appelle ça? Une recomposition de la scène de moi jouant sur Greg Block avec la communauté. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Greg Block. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une nouvelle machine. Du coup, on va la poser là. Non, ML, qu'est-ce que tu fais? Le mets pas là, la machine, ça veut rien dire. Ça veut pas... Non, faut pas que tu la mettes là, faut que tu recommences, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ok, 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 ok. Salut tout le monde, c'est ML Legion, on se retrouve pour un nouvel épisode de Greg Block. Et non, au final, je vais pas faire de Greg Block. Au revoir. Voilà. Voilà. Greg Block, c'était ça. Reconstitution, voilà. J'ai dit recomposition. C'est pas grave, parce que j'étais décomposé. Hein. Merci Shaitan pour ton deuxième mois d'abonnement Twitch Prime. Merci beaucoup. Mais du coup, vu que je vais jouer avec Alkazim, le gros avantage que j'aurai, c'est que bah, s'il y a une bêtise de fait, je dirais que c'est Alkazim. Et j'aurai la paix. Bah là, le truc, c'est vu qu'on sera en live, ce sera pas la même chose qu'en vidéo. Oui, il faut que je me fasse un drawer de Mana Steel. Mana Steel. Donc j'en ai combien? 57? Normalement, tu vas en avoir. Voilà, il y en a que 3 qui sont arrivés. Parfait. Impeccable. Alors. Mana Steel sera plus un problème. On est en train de travailler sur les plaques d'Enori, donc ça pour l'instant on va le mettre de côté. Il va nous falloir un stack de Restonia. Un stack de Restonia, ça veut dire... Oh, tu sais quoi, on va empowered... Ouais, on va se refaire un stack. On va empowered un stack de Restonia, comme ça pareil on sera peinard pour plus tard. On aura... si vous avez des réclamations à faire, allez les faire sur la chaîne de Alkazim. Comme ça, c'est tranquille. Exactement. Surtout que Alkazim, il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Moi, je m'en souviens. Il avait dit que quand il serait partenaire Twitch, il reprendrait les vidéos sur YouTube et il ferait des tutos sur comment installer un modpack correctement. Moi, je m'en souviens. Il l'a dit. Hein. Redstone. 10 du coup, voilà. Ah, Big Ben il l'a entendu, on est d'accord. Hein. Salut Kakel. J'étais pas là mais il l'a dit. Voilà. Ok, alors on va reprendre de la brique. Du coup Mana Steel, bon évidemment on va pas en avoir assez, il va falloir... Balalalala. Voilà, n'est-ce pas? Je parle aussi vite que la musique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va se refaire un stack de blocs de Mana Steel finalement. Inert, c'est pareil, il va nous falloir un stack. Tiens. Anosma, j'ai une vidéo dorée qui explique comment on fait. C'est vrai que Aurélien Sama a fait une vidéo pour expliquer comment installer un modpack. C'est vrai. Ça, on va pas le nier. Mais... Petit Isola Alkazim qui explique comment faire un modpack. Installer un modpack, pardon. Parce que faire un modpack, ça, c'est mon business plan. Je peux les crafter, oui. Ouais, du coup, il n'y a plus qu'à faire notre stack de blocs, là. Salut, Wolf. Va te reposer après ce stream, tu te mélanges dans les mots. Alors, rigolez pas.
D'accord. Mais j'ai fait mon petit vieux. J'ai fait ma petite sieste avant de faire mon stream aujourd'hui. Je me suis assoupi. J'avais la fatigue. Je me suis dit, oh, on va s'allonger un petit peu pour se reposer. Ça va que j'ai mis le réveil, hein. Parce qu'à mon avis, j'aurais pas mis le réveil, il n'y aurait pas eu de stream. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait, oh, la flemme. Mais bon. Il faut bosser dans la vie. T'as fait mon stack? Presque. Bah, désolé, Kekel, hein, j'essaie de rentrer dans le moule. Rentrer dans le moule du streamer, c'est quoi? C'est streamer à n'importe quelle heure. Se réveiller à n'importe quelle heure. Manger n'importe quoi. Créer une armée pour se foutre de votre gueule aussi, ça peut être pas mal. Quoique, non, c'est pas très streamer, ça. Non, disons juste que... je me suis couché tard hier. J'ai eu pas mal de choses à faire. Bah, notamment cette salle, hein. J'ai fait toute cette salle hier soir avant d'aller me coucher. Alors, ce qui est con, c'est que... On va voir Bido, il a son armée de moules. Calmez-vous, monsieur Al-Kazim. C'est très... Alors, suivant les circonstances et suivant les connaissances, c'est extrêmement dérangeant ce que vous venez de dire, Al-Kazim. Merci, Frindos, pour ton 6e mois d'abonnement Twitch Prime. Hier soir, c'était Seigneur Zeno. Ah ouais. Faudrait que j'arrive à te choper sur Discord hors live. Yes. Bah écoute, après le stream, si à 18h, t'es toujours là. Pourquoi pas. C'est lui qui appelle sa communauté les moules, pas moi. Ouais, mais il a un problème vidéo. Hein. Quoique après, hein, moi, j'aime pas les moules de base. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère les frites. L'avantage avec ce modpack, c'est que l'on aura besoin de deux sets d'empowerer. Oh, vu que Redstone... Ouais, c'est vrai. Pour le coup, oui. Totalement. D'ailleurs, on peut regarder. Hein. Ah, mais écris bien. Les plaques, on les fera jamais là-dessus. Les plaques, on les écrasera directement. Les items, on les fera jamais. On fera uniquement les blocs. Donc effectivement, on a ce craft là, celui-ci c'est exactement le même. Et après on a l'autre craft avec le terrastyle. Ah oui, ah bah non, ça on a la graine, donc on a plus besoin. Donc effectivement, on aura juste besoin, si on veut vraiment pousser le vice, juste besoin de deux sets. Après, si on veut faire de l'overkill, il faut qu'on en ait un pour chaque empowered crystal block. Mais techniquement, on peut en avoir qu'un seul et automatiser qu'un seul, ça marche. Hein. Des moules et de Itron. Suivez l'histoire incroyable de la bataille des communautés. Je suis pas sûr que ça m'intéresse les émissions obscures comme ça sur Arte. Je préfère regarder les experts. T'aimes pas la commu de Bido? J'aime pas les moules. La commu de Bido, je l'aime bien. Elle est gentille. Mais j'aime pas les moules. On est à 45, c'est long quand même, hein, tout ça. Hein. Pendant que ça se craft, on va regarder qu'est-ce qu'il nous faut d'autre. Les moteurs. Et un stack. Oh, please. Par contre, copper, ouais. Copper, c'est bien ce qui me semblait. Copper, vu que les graines de copper, on les utilise pour faire des singularités, je vais peut-être en récupérer une. De toute façon, j'ai rien de... Ouais. Je vais récupérer une graine sur les 9 que j'ai plantées. Pour l'installer dans le... Dans la garden cloche. Ouais, mais là... Mais si la communauté de vidéo c'est des moules, et que t'aimes pas les moules, c'est que t'aimes pas la commune de vidéo. Alors, si on traduit ça comme ça, oui. On est à combien? 25, c'est pas mal. 25, c'est pas mal. On a dit de mettre un void, c'est pas mal. Ouais, mais ça, j'ai plus accès de toute façon à ce truc-là. Je mettrai un void plus tard. Ah, mais j'ai rien en fait pour travailler ici. Il faut que j'aille chercher ce qu'il me faut. Ah, je sais que j'ai des copper or, hein, t'inquiète pas, je les ai vus. Hein.
Crafter. Hop. Là, je plante la graine pour en avoir automatiquement, mais de toute façon, on va utiliser les orés. Les ors. Tiens, tiens, tiens. Ah, et puis pareil, sur ce mode pack là, je joue pas mal hors cam pour aller récupérer du ancien dust dans les dimensions. Extract. Et normalement, c'est tout ce qu'on a à faire. Hein. Ouais. Et du coup, on va mettre le void ici. Voilà, comme ça, ça nous embête plus. Salut, clé, 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 clé. Ou clou, 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 clou. Tiens. Ah. Pas totalement sujet pour ton système de charcoal de ce matin. T'as pu mettre un piston tourné vers l'arrière vu qu'il y a un entonnoir. Pourra pas bouger. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Fallait que je regarde. Par contre, la lumière passera pas à travers. Hein. Parce que ça, ça a été changé. Mais ouais, ça peut être une bonne idée. Let's go. Okay, ça, du coup. Ça, on va le laisser parce qu'il y a encore du sang dedans. Et on le remet là, celui-là. Ouais, ils ont changé le fait que la lumière passe à travers les pistons maintenant. Avant, on pouvait se servir des pistons par terre au niveau des planches de bois avec une petite glowstone en dessous pour avoir un petit effet sympa. Et avoir de la lumière, justement. Mais ça a été changé. Sinon, tu éliminerais à process 32K dans Applied. Ah oui, donc ça, c'est ce que j'avais vu. Tiens, j'ai une question pour vous. Est-ce que si je parle comme ça là et que je fais un petit peu le fou, est-ce que j'ai l'air hautain pour vous? Eh? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'hautain quand je parle comme ça là? Une question sérieuse hein? Ah. Insupportable. Là par contre, oui. Je suis d'accord. Ça a l'air con. Ah voilà. Je préfère me dire que j'ai plus l'air débile que j'ai l'air hautain, parce que être hautain c'est vraiment... moi-même je supporte pas les gens hautains, alors je pourrais jamais l'être. Ah. C'est pas possible hein. J'ai mes chaleurs hein, parce qu'un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Ok, là bientôt notre stack. Oui, on est d'accord, j'ai plus l'air débile. Le crate pour le copper, si, je l'avais déjà. Il était déjà installé, là. Ah, le craft! Ouh! En effet, j'ai oublié le craft. Tiens, c'est fini, ça? LOL! Saloperie. En effet, je n'avais pas fait le craft. Merci. Avec un peu de thym, un petit peu de ciboulette, de la crème fraîche, de l'ail, et vous avez une bonne sauce blanche. Ok. Ok, on va juste les prendre comme ça, parce qu'il en faut... Il faut juste ça en fait. C'est ça. On va garder les 7 blocs directement comme ça parce que ça faut que je les mette en plaque.
Ouais, les Stargates mettent trop de temps à s'allumer, c'est dommage. Mais on s'en servira de temps en temps. Hein. Quand on aura des raids, par exemple, où il y aura beaucoup de personnes qui connaissent pas la série, je pourrais leur montrer la porte, par exemple. Oh, par contre, ils vont tous partir le temps que je leur dise qu'il y a une porte et qu'elle s'ouvre. Ils auront le temps de partir, les pauvres. Et merci The Loliman pour les 108. Et hey, ça va, j'ai loupé quoi? Sinon, tu as des conseils pour un bon shuriken? Et quel upgrade faut mettre dessus? En parlant de shuriken, il faudrait que je me mette du quartz dessus. Personnellement, je l'ai fait en Enderium, Manuline, Fire, Dragon Steel et Supremium, mon shuriken. Après, ça dépend sur quel mode pack tu es. Voyager cross planète. Oui, pour voyager cross planète, par contre, les portes des étoiles vont être très importantes. Hein. Sur Minecraft Eternal, alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme mode dessus. Je sais que t'as le mode avec les dragons, donc tu peux utiliser du Fire Dragon Steel. Je sais pas si t'as un Lendarium. Lendarium, ça permet aux shuriken d'aller tout droit. Installe un système qui ouvre la porte toutes les X minutes dans un sens puis dans l'autre juste pour le fun. Alors je pourrais, le problème c'est que pour l'instant ça utilise du fuel, ça utilise du Naquada. Et à part aller sur la lune, le Naquada j'en ai pas ailleurs. Peut-être qu'on fera un truc comme ça quand j'aurai de l'énergie sur ces... Enfin pour éviter d'utiliser du fuel quoi. On utilisera de l'énergie à la place. Oh, c'est du boulot de faire un stack de Carpenter quand même hein. Ouais, l'Enderman permet de taper les Endermen également, mais ça permet aussi que tes shurikens, quand tu les tires, aillent tout droit en fait. Toi, le shuriken, il est allé tout droit. Si là je tire ici, hop, mon shuriken, il est allé tout droit. Il a pas eu un effet de pof quoi, comme ça. Il est allé vraiment tout droit. Gros avantage de l'Enderman. Hein. De courbure, merci. Ouais, c'est le tier 5, le Naquada. Tier 5, je l'ai même pas noté sur le côté, mais on pourrait le mettre sur le côté pour re-regarder le craft à chaque fois. Ça demande un stack d'iridium. Singularité, tu me diras. Ah non, non. De toute façon, même si l'iridium, j'en ai beaucoup là, actuellement, et qu'on aurait la possibilité peut-être de se faire ça, le gros point qui va nous dire « Nope !» C'est ça. Et Nether Star. On n'a pas encore vu comment soit auto-kill le Wither, soit se faire une graine de Nether Star. On pourrait se faire une graine de Nether Star, je pense. Hein. Star. Parce que la graine de Nether Star, ce serait ça. Ouch. Ça me demandait de taper quelques voilà. Et il nous faudrait également le Nether Star Crux. Par contre, je sais pas s'il y a le... Non, je crois qu'il n'y ait pas le mode en plus. Il n'y a pas le mode qui permet de faire pousser cette graine dans les Garden Cloche. Parce que j'ai testé de mettre ma graine tier 6 d'Inferium dans les Garden Cloche et ça ne marche pas. Avec justement l'Inferium, l'Insenium Essence, pardon. En bloc. À la place de la Dirt, ça marche pas. En bloc Witherproof, on en a quelques-uns. Hein. On a l'Aetium. On a l'Ionite. On a le Palladium, on a même le Chironite. Donc toi c'est Witherproof, tous ces blocs là on peut carrément les faire. Mais il nous faudrait le Wither Killer. Et le Wither Builder. On aurait ça à faire, histoire d'automatiser le truc. Mais ça se fera à un moment. Hein. Pour l'instant on n'y est juste pas. Oui c'est gratuit avec Henry Mental Tech. Hein. Ok Quartz. C'est bon, il est full. Ouais. On a augmenté ses dégâts à lui. Ok, on a toutes les plaques là. On va pouvoir se mettre ici. Et je crois que c'est là-dedans qu'il faut le faire. Hein. Ouais. On va ranger tout ça ici.
On va récupérer notre copper. Et non, tu n'utilises pas les os, s'il te plaît, tu utilises les sticks. Et on veut deux stacks pour faire un stack de moteur. Voilà. Un petit stack de gear. Voilà, un petit stack de moteur et on est bon. J'ai une question concernant AgriCraft. Impossible de faire des crossbreed et je comprends pas pourquoi. Normalement, tout est affiché dans le JEI. Comment faire les crossbreed. Parce que c'est pas parce que sur un modpack tu peux faire un crossbreed que tu peux le faire sur mon modpack. Ok, donc un stack d'advanced, un stack de microchip. Le stack de cerveau mécanisme, ça devrait le faire. Je dirais même que je vais peut-être tenter de lui apprendre ça. Et juste le Tribarium lui va m'embêter. Et le Feroborn. Ouais, ça devrait le faire. Cerveau mécanisme. Il manque du Feroborn. Il en manque 28. Ça se fait. Go. Voilà, ça le fait. Ça me fait 3 par 3. Est-ce que ça utilise les deux en même temps? Ouais. On aura 3 stacks. Donc c'est bien. Ah oui, ça dépend ce que tu veux crossbreed. Tu veux crossbreed quoi exactement? Parce que si tu veux avoir les spores pour les champignons, il faut effectivement que tu sois dans un environnement sombre, qu'il n'y ait pas de lumière. Ouais, j'ai déjà commencé à mettre les carpettes au sol. On a mis toute celle là-bas. Bon, ça je l'ai fait hors stream. Hein. Et non, encore tout ça à mettre. Alors j'ai foutu de la glowstone partout pour éviter de m'embêter avec les torches. Parce que les torches, comme dirait Al-Kazim, c'est nope. Hop là, un petit stack. Donc le cerveau mécanisme. Merci Al-Kazim. Pas de torche ici. Pas de torche qu'on a dit. Ah ouais, mais là ça peut spawner. On aura peut-être une torche ici du coup. C'est tout. Bon, les torches là-bas c'est des indicateurs. Hein. N'est-ce pas? Cerveau mécanisme, on a le stack. Ça dit quoi ça? 37. On a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. Ok. Faut les 4. On aura un stack de gear comme ça. Et ça, je peux les retransformer en bloc en attendant. Hop là. Nice. Donc une fois qu'on aura notre stack de gear, il va nous manquer les 30K coulant sel et les data storage circuits. Donc celle 1, 2, 3. Ça fait beaucoup mais c'est pas grave. Spam clic. C'est compliqué. Ah, j'ai mal au poignet. Ouh. Allez, le dernier.
Je pourrais te faire une selle d'applied d'eau. Absolument. Maintenant, oui, je pourrais me la faire, cette selle. Ok. Mais non, juste ça. Snow. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va remplir l'inventaire. Voilà. Pour les autocrafter, c'est celle-là d'eau. Je suis obligé d'utiliser un flux de transposeur pour récupérer de l'eau. Pour l'instant, on le fait pas, mais à un moment, de toute façon, vu qu'il nous faudra les 10K, tu me diras, je pourrais... Ouais, non, je serais obligé de toute façon. Dans tous les cas, je serais obligé d'utiliser Watercell. Mais on automatisera ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. Ok, donc normalement, de l'ovium. Ouais, j'en ai pas. Hein. Normalement, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas, j'en ai plein, mais faut juste les traiter, quoi. Ok. Et du thym. Du thym, ça devrait aller. Donc on va attendre de récupérer au moins 4 stacks d'ovium là-dedans. 8 stacks. Il me faut 8 stacks d'ovium. Et on sera pas mal. J'ai fait du Minecraft Dungeon pendant 19 heures d'affilée, j'ai trop mal à la main. Bah bravo. Je tourne un peu le ventilo là. Oh, c'est un peu long. Il nous faudra quoi d'autre du coup pour terminer? Bah il nous faudra ces data storage. Et les data storage, ça va être encore un stack d'advanced. Oula, est-ce que je les ai? Aïe 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 aïe. Ça va que j'ai récupéré quelques majestiques, donc je pense qu'on va se refaire des cristallines. Est-ce que j'en ai plus une? Non. Ah, j'en ai deux. Ouh. Platinum gold. Ça coule de source. Absolument. C'est mon eau. Boosting. Yes, on a ce qu'il nous faut. Du coup, 5 de super glue. Perfect. Donc on peut au moins se faire un stack là-dedans. Voilà. Et il va nous manquer un dernier petit stack. T'as fini toi? Ouais, le stack de gear, c'est bon. Regardez-moi ce foutu bazar. Salut Braith Hardware. Salut à toi. C'est pas mon nom cet après-midi, il n'y avait plus au Franprix. Là c'est de la Volvic. C'est pas mal la Volvic aussi. Vous m'avez donné soif. Boire de l'eau. Aïe. On a 4 nouveaux stacks. Donc un nouveau stack de coulant sel. Très bien, passons au truc le plus chiant. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais probablement l'autocrafter. Genre ça. Mais il nous faudra de ça. Ah, les microchips. Aïe 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 aïe. Ah. On n'y arrivera jamais. Terrible.
Comment je peux faire ça? Slime Ball, c'est vrai que j'ai toujours pas pensé à récupérer un sapling pour pouvoir le planter là. Ou non, slime, je crois que j'avais récupéré des... Ouais, j'en avais 4, j'ai toujours pas fait ma graine de slime. Faudrait que je la fasse. Parce qu'après, derrière... Ouais, c'est juste pour faire des slime balls. Hein. Donc il faut que j'ai une autre garden cloche avec le crafter. Et je crois que j'ai plus de garden cloche à dispo. Le bucket, je peux directement l'autocrafter. Comme ça. Parce qu'on a les water essence. On en a plein. Il peut utiliser les fresh water si on veut. D'ailleurs, je me demande si on peut faire ça comme ça. Ouais, on peut faire ça comme ça. Donc à la rigueur, ouais, ici, on va le changer. On va mettre fresh water à la place. Spider Eye, il sait pas le faire, donc on va lui demander. La bonne mille, c'est pareil. La bonne mille, ça va être compliqué, ça. Hein. Je peux crusher les os. Mais les os, c'est pareil, j'en ai pas une tonne, quoi. Que si je tape bone? Il me reste que 4, hein, donc bon, l'autocraft... Alors, j'ai beaucoup d'os de dragon. Mais je pense qu'on va devoir se faire une petite ferme à mob à un moment. Et pour la graine des os, en fait, il faut que je me fasse ça, la skeleton seed. On peut avoir les disques avec, les os, les crânes. Les disques, on peut avoir des record fragments qui nous serviront plus tard à faire ça. Et les crânes... Ne vont pas nous servir à grand chose. Quatre têtes classiques, ouais. Valentine's Block, ça se craque comme ça, ça? Ok. Ah, on peut avoir du Wither Skeleton Skull avec ça. Bon, c'est pas très très important, mais bon. Alors, on va faire la graine comme ça, et on va faire la graine comme ça. On va d'abord mettre ça. Mais bon, on va clairement voir qu'il va nous manquer des choses. Hein. Donc là, si j'arrive et que je lui dis, par exemple, data, là. J'en veux 64. Il va péter un câble, il va me dire non, 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 non. Donc on a... Déjà, en termes de slime, on a ce qu'il nous faut. C'est déjà une bonne surprise. Il a besoin de faire les circuit boards. Il a besoin de 733 microchips. Donc microchip, je vais devoir en faire beaucoup. Gold nuggets apparemment. Faut que je lui apprenne à faire des gold nuggets. Gold. Mais c'est pareil, la graine de gold, je l'ai pas faite. Hein. Est-ce qu'on la ferait pas, la graine de gold, là? C'est une tier 4. Ouais, easy, hein. Easy, on se la fait. On va se faire quelques trucs, hein. Donc gold nuggets, on va juste lui apprendre à faire ça comme ça, hein. Tiens d'ailleurs, le gold de là comme ça. J'en ai besoin que pour faire le gold ingot. Ok, très bien. Donc on va stocker automatiquement le gold ingot. Alors oui, j'ai les minerais que je pourrais utiliser, que je pourrais process directement. Oui, j'ai carrément la possibilité de faire ça. Pof, pof, pof. Qu'est-ce qu'il nous manquait d'eau d'ailleurs? Faisons une centaine, comme ça je le sais tout de suite. Le sucre. Le circuit board et l'émeraude. L'émeraude, c'est un tier 5. Ça se fait aussi, hein. Ça se fait aussi. À mon avis, on va plus en récupérer avec nos minerais, enfin avec nos ores qu'on a là. Mais du coup, il nous faudra également ça. Tac. Donc avec du green. Très bien, il faudra ça.
Avec des sticks, c'est mieux. Clé bloc. Soit on doit en avoir pas mal. Ouais, on en a pas mal. Et floral, green powder, ça va faire ça. Mais pour avoir ça, ça va être... Alors normalement, peu importe qu'ils prennent le wooden ou quoi, techniquement, il est censé pouvoir prendre celui qui sont abîmés. Enfin, ceux qui sont abîmés. On va lui demander ça, et du coup, on va lui demander ça. On va voir si c'est possible pour avoir du green. Tout ce qui est fleurs de botanier, on va les mettre en bas, là. On les triera correctement. Merci Nekonobaka pour ton 28e mois d'abonnement. Et de 28, bonjour à tous, bonjour à toi Nekonobaka et merci beaucoup pour le 28e mois. Oui, c'est normal qu'il n'y ait pas la rediff, j'ai oublié de la mettre. Je la mettrai après mon stream, je pense. J'ai pas le craft du mortar, justement. Faut que je regarde déjà s'il va prendre ce qu'il y a dans Applied. Et dans tous les cas, il faudrait que je lui donne... Ah, attends. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça le fait pas. Ce craft, ça le fait pas. Et comment on pourrait faire du coup? Non, il sait pas qu'il peut réutiliser l'outil, c'est ça le problème. Si je prends le mortar qui est abîmé là, on est en hors dictionary substitution. En théorie, on devrait pas avoir de problème, mais bon, apparemment si. Et toi là en attendant. Non, il veut pas. Ce craft là, on laisse tomber, il voudra pas. Qu'on trouve un autre moyen d'avoir directement notre poudre. Parce que pour avoir cette poudre, on est obligé de passer par une table de craft et ça. Hein. Donc à la rigueur, je pourrais avoir un crafter qui injecte les mystical green petals et qui ressort ça. Hein. À part. Hein. Diceed nous propose pas le green. Si je veux du green, si tu veux, il faut que je prenne le Nature Essence. Et que je lui demande de me crafter Cactus. D'ailleurs, je crois que Cactus, je l'ai déjà. Hein. Ouais, je l'ai déjà. Et que je lui dise que un Cactus égale un green. Que je n'ai pas d'ailleurs. Dans un four. Et dans ce cas-là, ouais, j'ai du green dye. Il n'y a que comme ça que je peux en avoir. Et du coup, si j'ai besoin de... Non, c'est comment ces circuits? Ceux-là. 200. Ah, il est chiant. Parce que pareil, là, je lui dis... hors dictionary substitution, mais il veut pas aller le prendre. Ouais, leur dictionary de substitution sur Applied, il est bugué. Hein. Ça fait plusieurs mises à jour d'Applied qui est toujours pas fixé ce truc-là. C'est quand même incroyable. Hein. Dans le circuit. Et là, il est capable de me le faire. Ok. Et du coup, maintenant, faut lui dire que ça, dans un four, est égal à ça. Là, circuit ici, si je t'en demande 100, il me le fait easy. Hein. Ouais, les mises à jour d'Applied, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que Applied, c'est un mode que je kiffe à fond. Mais je sais pas, depuis qu'ils ont fait une mise à jour qui apporte les disquettes de fluide, alors que c'était très bien géré par Extra Cells, ils ont fait n'importe quoi avec son, enfin, avec leur mode. Ils ont fait n'importe quoi. C'est vraiment dommage.
Bah avant, l'or substitution fonctionnait à merveille, fonctionnait super bien. Mais depuis qu'ils ont voulu mettre les disquettes de fluide dans Applied, ça a tout cassé. C'est ça, la dernière mise à jour d'un an. Enfin bon. Là, de toute façon, au niveau de ce qu'on a besoin, c'est-à-dire le data storage, là, on a clairement pas ce qu'il nous faut. Hein. Pour 10, peut-être même pas pour 10. Hein, parce que là, ce qui va nous manquer, ça va être énormément de microchips. Beaucoup de sucre. D'ailleurs, sucre, j'ai pas regardé, est-ce qu'on peut le faire facilement? Ça, là-dedans, c'est mort. Dans le grinder. Enfin, là, je suis dans le pulvériseur, mais... peut-être un autre moyen de l'avoir. Ah non. Bonsai tree. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça comme ça. J'avais oublié qu'on pouvait le farmer comme ça. Mais ouais, du coup, on n'a pas le grinder de mécanisme pour avoir du sucre. Je balancerai une tonne de canne à sucre là-dedans au moment venu. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on va crafter les graines. Skeleton. Ouais, c'est ça. Gold, il va me falloir ça. Enfin, emerald, ça va être pareil. Hein. Ok. Donc, seed. Il va me falloir une tier 2. Pour celle-ci. Toc. La graine de slime, c'est good. Tac, tac, tac. Tu me diras, je peux juste faire mystical. Hein. On veut cette petite graine. Elle est là. On a la graine de skeleton. Ensuite, la graine d'or va nous demander 16 de supremium. Merci libraire pour avoir offert un sub à Red Neo. La vache libraire, j'avais pas vu. Mais t'es déjà à 238 subs offerts sur cette chaîne, quoi. Nom de nom. Non, le problème avec Refine Storage, c'est qu'il est énormément buggé également. Il est beaucoup plus buggé qu'Apply Energistic. Hein. Si tu mets trop d'autocraft dans Refine Storage, ton serveur il marche plus, quoi. Donc ce moyen. Il a du coup pareil 16. Par contre je lui ai pas appris à faire la graine rouge. La petite graine bleue elle est là. Et la petite graine rouge, est-ce que je peux lui apprendre? Non, je vais pas pouvoir lui apprendre parce qu'il va me falloir du Blood Infused Iron Ingot. Je suis tapis dans l'ombre. Je vois ça. Merci en tout cas, libraire. C'est vraiment gentil. Hein. Je sais pas si Red Neo est dans le coin. Bon, de toute façon, hein. À un moment, il faudra qu'on lui apprenne. Voilà. On va laisser de la place pour l'insénium ici. Hein. Donc, seed. Juste deux Blood Infused Iron. Ok. Le gros problème, c'est que j'ai dégagé Blood Magic. J'ai dégagé Blood Magic. J'ai une autre idée en revanche. Oh, quelle horreur. Mets ça là-dedans en attendant. Ok. Gold, seed. J'ai une autre idée tout simplement parce que dans les dimlets que j'ai trouvé une...
Molten Blood Infuse Iron. Océan. Donc on est parti. On va se faire un monde un petit peu oh. Alors je sais plus comment on faisait. Flat je crois. Non c'est pas flat hein. Les RF particles c'est pas un problème, j'en ai beaucoup. Comment on fait un monde avec flat, faut vraiment le mettre flat. Ok, go flat. Ah ouais. Blood Infused Iron. Donc il va nous coûter 12 000 RF par tick. Est-ce qu'on aura de quoi faire? Déjà en termes d'énergie, on a ce qu'il nous faut là-dedans. Pump. J'ai pas de pompe. On va essayer de récupérer le nécessaire pour en crafter une. Ah, faut le faire là-dedans. Quelle horreur. Style 5, 6, 7. Ok, osmium 7 aussi. J'écris un fusée. Ah ouais. Je voulais mettre un D, tant pis. Tant pis, tant pis. Fais voir ma consommation d'énergie d'ailleurs. Normalement j'ai tout ça. On insère 20 000, on éjecte 32 000. Mais on a énormément d'énergie. Donc normalement on devrait être bon le temps de récupérer... le temps de crafter la pompe. Et de stocker tout ça. Par contre il nous faut un méga drum, le copper ici. 32. C'est pas beaucoup hein. Peut-être qu'on peut directement prendre l'ingot former. Parce que dans les Godformer, si je récupère le nécessaire. Alors déjà. Blood Oulala. Fusade. Ah, il va pas dans les Godformer. Alors ça, par contre, c'est ballot. Ah. On peut le mettre dans Tinker, en revanche. Il met 4 secondes pour sortir ça. Non, je pense que je vais devoir prendre un tank. J'aurais bien aimé remplir celui-là, mais il est déjà full de ce truc-là. En attendant, on va le couper. Je veux pas qu'il pompe toute mon énergie, celui-là. Donc il faut qu'on se fasse un méga tank. Le bloc, c'est combien de temps? Et le bloc, c'est combien de temps? J'ai pas compris la question. Ah, le... Ok, je viens de comprendre. 29 secondes. Non, on n'a pas le smart. Je crois pas, hein. Non. Donc, bucket, advanced. Alloy. Et enfin, méthane. Je crois que c'est 5 qui demande. Hein. 4, ok, ça va. Est-ce que je vais avoir les outils? Non, il va me manquer le spanner. On a la pompe. On va te redonner le plieur en attendant. Oh, please. Ok, on va prendre les upgrades. On n'a pas tout à fait les upgrades nécessaires, mais... Oh, il y a une Blood Moon. Bon, j'ai pas trop de soucis à me faire avec la Blood Moon, mais quand même, c'est chiant. Donc, on a ça à prendre, on va avoir ça à prendre. Ok. Et du coup, si on veut faire un méga tank de la mort qui tue, techniquement, il faut qu'on tape dans du... Oh, on a le Star Tank. Waouh, c'est non. On a ce tank là, mais pareil ça me demande un Majestic Component, donc ça on peut pas.
Ça c'est non. Ça c'est non. Ça c'est faisable. Ça c'est faisable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, on va faire un stack. J'arrête mon live à 18h. Oh! Pretzel Rock s'est vu offrir un sub par Libraire. Libraire, merci! Et du coup, Rock Pretzel, voilà. Rock Pretzel est abonné. Ça fait bizarre. Ça, on l'a. Du coup, Platinium et Glace. Hein. Et Platinium, j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15. Ah, presque. Ça devrait être suffisant ce que j'ai. Alors, évidemment, ça va nous déranger maintenant. J'ai tout foutu en vrac. Terrible. Tu me diras, je peux le remettre là-dedans maintenant. C'est tout. Non, il y a ça. Ok. Ok, donc normalement on est bon. Il a de l'énergie. Théoriquement, ça devrait le faire. Au cas où on pourra se re-téléporter avec ça. Ah oui, mais il faut peut-être que je le bind. Go. C'est un des meilleurs viewers de tes lives. Il est toujours là, c'est vrai. Oh, calme-toi. Très bien, déjà, on n'a pas notre liquide là. Hein. M'appelle. Est-ce que j'en ai là? Mais c'est pas vrai, foutez-moi la paix. Mais arrêtez! Pas mal l'océan, hein. C'est la merde, on se casse. Pas mal, pas mal. Tu arrêtes ça tout de suite. Et merci, Libraire, pour faire un sub à Ben Ferdo. Du coup, ça fait 240 tout rond. Merci beaucoup. Donc ouais, on a un problème sur cette dimension-là. Biome Dimlet Océan. Molten Blood Infused Iron. Et Dimension Dimlet Flat, là. Il doit manquer quelque chose. Train normal. Je vais lui donner juste ça en plus. Je sais pas si ça générera un truc en plus. Le problème c'est que si je mets pas flat, il me met warning. C'est le problème. Terrain liquide. Ah, effectivement, ça doit être ça le problème. Ça doit être ça le problème. Donc, blood in... Fused Iron. Par contre, il coûte un peu plus cher maintenant. 30 000 RF par tick. Hein. Encore une fois, techniquement, en termes d'énergie, on devrait tenir. Oula, il est bizarre. Pourquoi il est rouge, lui? Pourquoi? Ah, c'est rouge parce que c'est la Blood Moon, c'est vrai. Quand c'est la Blood Moon, t'as des changements comme ça. C'est marrant, ça. Donc ouais, là, on extrait 32 000. J'ai largement de quoi faire. Par contre, c'est bizarre, hein, le coup du vert, Chisel et Beats, là, qui change de couleur. Y'a rien d'autre qui change de couleur, par hasard? Non.
Alors, fais-moi voir, toi. T'as pas l'air de recevoir assez d'énergie, par contre. Il a pas l'air de recevoir assez d'énergie. Ah, il est connecté là? Ok, c'est pour ça. Ah, ça m'embête. Voilà, là tu vas recevoir suffisamment d'énergie normalement. Ouais. Là t'en reçois suffisamment. Du coup je vais être obligé de remettre ça là. Ça là. Peut-être que le truc de... Oh regardez ça. C'est stylé quand c'est la Blue Moon hein. Je sais pas si c'est le mode Blue Moon qui fait changer ça ou pas. Là, ouais, il y a le truc comme ça qui devient rouge. Ouais, c'est marrant. Le nouveau contrat, c'est pour bientôt. C'est le 11 juin, normalement. Alors, fais voir ça. Ouais, là, on a de quoi tenir la dimension. Hop. J'ose espérer. Ok. Oh ce lag. Oh ça craint. Oh ça craint. Ok, je me re-TP à la maison. Si je peux. Je crois que je peux pas. Alors là, je peux plus écrire, je peux plus rien écrire. J'aime bien quand ça fait ça. Me téléporte à la maison. Je vais réinstaller Blood Magic. Hein. C'est vraiment dommage que... Il y a des trucs comme ça qui sont pas gérés. Comme... Parce que là, c'est débile, quoi. Tu fais une dimension qui coûte hyper cher en RF et puis finalement, tu peux même pas y aller. C'est débile. J'ai même pas envie de retenter, tu vois. On enlève ça, on le mettra de côté. Ah, je comprends pas. Ok, donc du coup, toi, tu vas revenir là. Et du coup, on va réinstaller Blood Magic. Hein. Ah bah oui, du coup, lui, il avait plus d'énergie, donc il pouvait plus faire mon verre, forcément. On va remettre Blood Magic là-bas. Hein. Donc j'ai pas encore mis de carpet. Tiens. Blood Altar. Ça. Ça. Glowstone. Alors, j'aurais pu mettre directement ça comme ça. Ah moi je vais pas y retenter d'y aller parce que la dernière fois qu'on a eu un bug comme ça, on a perdu 20 minutes. Et il a fallu que je télécharge mes fichiers, que je les remodifie, que je les remette sur le serveur. J'ai pas envie de reperdre 20 minutes en fait. Je préfère perdre 20 minutes à le faire là-dedans que reperdre 20 minutes sur le jeu. Hein. Je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut le mettre, je sais plus.
tire 3, c'est bon. Hein. Toi, tu vas venir avec moi. Et du coup, toi aussi. J'ai pas compris le message de GAFA, je vois pas l'intérêt. Bref. Il en veut que deux, hein. Ouais, c'est ça. On a 3 et du coup lui c'était combien? 5000 hein. Ça se fait, voilà. Hop. Possible basilic, possible. Bonne fin de live à tous, go rediff, ça marche Loro. Bonne rediff à toi Loro. En attendant, on aura une jolie pompe et un cyber tank. Ça, j'en ai plus besoin. Allez. Plus qu'à attendre ici. J'hésite entre Abyssal Craft et Blood Magic comme mode que je déteste. Lequel est le plus chiant? Entre Abyssal Craft et Blood Magic, c'est Abyssal Craft. Abyssal Craft, la seule chose qui est chiante avec, c'est que t'es obligé d'attendre les statues avec les Shoggoths. Une fois que t'as les statues avec les Shoggoths, Abyssal Craft se fait tout en douceur, il n'y a aucun problème. Mais les statues, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire sur ce mode. Et Blood Magic, suivant les modes pack, comme celui que je suis en train de faire actuellement, il est très chiant parce que les blocs qui nous servent à augmenter notre altar coûtent très très cher. Mais sinon, en règle générale, t'avances très vite dans Blood Magic, tu te fais le rituel pour pouvoir récupérer du sang avec les sorcières et basta. Alors j'ai déjà une pompe dans mon sac. Je la vois pas la pompe dans mon sac. Ouais d'ailleurs coucou Basilic, t'as vu un peu mon nouveau jeu? Il est pas mal hein, en plus il est encore sous blister. T'as encore le papier et tout. C'est pas mal, hein. Il est pas mal. Hein. D'ailleurs, oui, la pompe que j'ai utilisée, je m'en suis servi pour crafter en fait. Donc je l'avais plus. Ok. Bon, bah tiens. Et du coup, fais-moi la petite graine rouge. Évidemment. Évidemment. Voilà. Nice, en plus c'était une quête celle-ci. Il me manque un truc là, non? Ah oui, les microchips. Paf. Bon, maintenant qu'on a ces 4 graines là, il va falloir regarder. On les craft directement, donc il nous faut un crafter. Celui-ci aussi. Slime aussi. Donc il va nous falloir des garden cloches. Ok, par contre le seul problème avec les garden cloches c'est que ça se craft là-dedans hein, je crois. Hein. Non, dans l'élite, ok.
Il va nous faire des dusts. Combien il m'en reste? Il m'en reste qu'une. Il faut qu'on aille en chercher des anciens dusts. Pour pouvoir planter ça. Donc écoutez, on va aller en chercher. Arrête de bugger. Oh, ce lag. Un jeu sous blister, lequel suis-je autorisé à demander? Tu peux demander, mais le problème c'est que... faut faire comme basique. Faut être VIP. Pour voir la webcam. Il est quand même pas mal, hein. Regarde basilic. Là, je te montre le dos. Et tu vois, il y a écrit... c'est en français, en plus, c'est la version PAL. Hein. J'ai pas pris de chest. Quel sac. Je vais chercher un chest. Il faut que je range les seeds là-bas. J'attends mes cassettes audio édition limitée de Céleste depuis presque 3 mois. Et le vinyle du dernier album de Dragon Force. Ah. Ça va arriver au bout d'un moment. Al-Kazim, t'as pas le droit de dire le jeu. Voilà, Al-Kazim vous a spoilé, donc merci à lui. Hein. Ok. Donc on va avoir besoin du... pas du builder, mais de l'autre qui est dans la machine là-bas. Nintendox, il est très bien, hein. Enfin, quand il était sorti. Elle revient ici. On va avoir besoin du storage scanner. Avec ça pour l'alimenter. On va prendre ça. Boum. ID 17. Ah, il faut chercher des dusts. Il en faut 3. On va descendre, je pense. Voyons si on peut avoir de la chance et trouver 3 dusts. Je vais essayer sur les immeubles là-bas. Genre là. Nope. Ah non, pas besoin du quantum, j'ai juste pris l'advanced energy. Ça suffit. Non, y'a rien. Oh la vache, ça lag, hein. Ça, je prends. Ça aussi, je prends. Ça doit être un grand bâtiment, ça. Merci The Kill pour les 40 bits. Merci à toi. Alors, on a des modular storage, mais je vais pas m'embêter à les prendre. Hein, parce que là... on n'est pas là pour ça, quoi. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Oh, là, on est sur des gros coffres. Eh, hey, donne-moi des dust, là. Il n'y en a rien. Rip. cette dimension, c'est... Lost City. On l'a créé avec RF Tool. Et en gros, j'utilise une petite technique de filou. C'est-à-dire, j'utilise le storage scanner qui va scanner au plus loin possible la zone pour potentiellement trouver les coffres. Et dans les coffres, trouver ce que je cherche. Donc, j'ai même pas besoin de rentrer dans les bâtiments. Hop là. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des dust. Voilà, là, j'en ai deux, par exemple. Et il m'en faudrait un autre pour être bien.
Mais il faut avoir de la chance, hein. Il y a beaucoup de fours dans ces trucs-là, hein. Donc ouais, on a déjà récupéré des choses assez intéressantes, assez rapidement. Non, par là-bas, je retourne là où j'étais. Je vais plus aller dans cette direction-là. Et là, ça va qu'il fait jour. On n'est pas embêté par les mobs, mais quand il fait nuit, c'est super chiant. Ça devrait le faire. On va se mettre dans le coin, là. Je demande car je suis arrivé hier sur ta chaîne grâce à Aurélien Sama. Eh bien, écoute, bienvenue. Je ne manquerai pas de dire merci Aurélien Sama pour ça. On est sur du modé, hein. La plupart des choses que tu verras sur ma chaîne, c'est du modé. Évidemment, quand Holycube sortira, la plupart des choses que tu verras sur la chaîne, ce sera Holycube. Mais pour l'instant, on est sur du modé, tranquillement, sur un modpack. Très, très, très compliqué. Ok, il n'y a rien là-dedans. Dommage. Se mettre dans le coin, là. Petit lingot en plus, on a récupéré 3. Hein. Et c'est tout. Nice. Y'a rien, y'a rien. Y'a pas mal de Mulder Storage, mais ça m'intéresse pas. Soupe de nouilles ramène. Ah, c'est sympa ça. Rien dans ce chest. Ouais, y'a plus de Majestium que de Dust, c'est dommage. Parce que Majestium, c'est quand même simple à crafter. Aujourd'hui, en tout cas, c'est très simple à crafter. Hein. La Dust, par contre, ouch. C'est le truc le plus difficile. Enfin, l'une des choses les plus difficiles à crafter. Et dont tu as quand même pas mal besoin. Sur le modpack. Nope. Il n'y a rien. Par contre, c'est marrant que je lag autant. Oh, il y a un cheval qui a spawné là-dedans. Que dalle. Par là-bas. Nope. Non. Ah oui, clairement, hein. Le créateur du pack, il a clairement voulu qu'on explore plutôt qu'on le craft, ce truc-là. Hein. Parce qu'il est vraiment insane à crafter. Tiens, une tête de Pikachu, je vais la prendre. Ça sert à rien, mais je la prends. Regardez là. Ouh, petit lingot. Non, tu peux pas faire de dimension de dust block. Les dimensions à RevTool, tu peux les faire uniquement si t'as les dimlets. Pour. Il n'y a pas de dimlets pour les blocs comme ça. Ouh, il y a plein de coffres là. Ah, voilà. Très bien. Bon, on a toutes les dust qu'il nous faut, on en a 4. On va pouvoir rentrer. Nice. Du coup, ça, je vais le laisser là. Ça aussi. Donc, on va utiliser les 4 anciens dust qu'on a pour pouvoir se refaire ça. Donc, des advanced. On faut 8, hein. Il n'y a pas une histoire où tu prends... En exemple, 256 blocs de draconium que tu mets dans une dimlette pour faire une dimension full draconium. Seulement si la dimlette existe, comme je viens de le dire. Si la dimlette n'existe pas, tu peux pas le faire. Hop. Style mechanical component, donc il va nous falloir de l'émeraude.
Dis-moi que t'as reset tes trades, toi. Non. Terrible. Reviens. Je vais te prendre du copper. Nice. Tiens, j'ai du copper pour toi, mon ami. Allez, reset tes trades. Ouais, c'est bien. Reset encore ? Ah. Y'a pas reset. Allez, reset. Saloperie. Il veut pas reset. Tu veux reset tes trades, oui. Tiens. Il veut pas, hein. Bon, aluminium alors. C'est parti. Et aluminium. Tiens, j'ai de l'aluminium pour toi. Pourquoi tu crées pas directement ce truc? Quel truc, la mastico? Ce que je suis en train de faire, parce que ça me demande du mana steel gear, ça me demande énormément de plaques. Mana steel gear, ça me demande énormément de mana steel. Peut-être que les prochaines fois on pourra, mais tout de suite maintenant, on peut directement les récupérer là. Donc ça me va. Ok, donc ça, ça va revenir d'origine. Ça aussi. Et il nous en faut 8. Merci Zenke pour les 20 bits. Il n'existe pas une machine qui simule l'échange du villageois? Si. Il y a une machine de Industrial Foregoing. Qui est là? Qui s'appelle le Villager Trade Exchanger. Qui permet de faire ça. Mais cette machine coûte un peu cher à faire. Et ça demande notamment une dust. Et je pense que tous les crafts qui demandent des dust, en fin de compte, c'est des crafts qui sont pas nécessaires pour terminer le modpack. Mais c'est du bonus. J'ai planté une graine de mana steel, mais pour l'instant, je viens à peine de la planter, donc j'ai quasiment que dalle en mana steel. D'ailleurs, la graine, c'est bon, on peut l'enlever. Oh, il est derrière. Empowered Palace. Cool, on va devoir se faire un bloc. On va même faire les deux blocs. Redstone, mana steel. Inert, il m'en faut deux. Et briques. Alors là-bas, ça avait terminé de crafter. Hein. Voilà. On va pouvoir ranger ça. Il va me falloir de l'enchanted plate. 8 du coup. Clac. Alors, est-ce qu'il y a un problème, Mexine, avec ma façon de jouer ou pas? Parce que s'il y a un problème, tu peux le dire tout de suite. Hein. Hop, on va faire les 8. Très bien. Ensuite, bonne mille blocs. Il va falloir 4. Ah, j'ai pas de string. Un
2, 3. Donc je vais avoir tous les composants là, ça, il va nous falloir des vacuums. Bah du coup si t'as aucun problème avec ma façon de jouer, ta remarque n'est pas la bienvenue finalement. Parce que les 8 mana pool remplis de mana, déjà il n'y en a que 4, il n'y en a pas 8, premièrement. Deuxièmement, vu que j'ai une graine de mana style, est-ce que ce serait pas plus intelligent de garder les graines de mana style pour avoir du mana style, ou d'utiliser les mana pool qui me permettraient potentiellement d'avoir vanadium enchanté, ou alors du mana diamond, ou alors du mana pearl que je ne peux pas avoir autrement que via les mana pool. Alors que le mana style, j'ai plus besoin de mana pool pour les avoir finalement. Alors c'est directement du style ça. Hein. Ça va, on a ce qu'il faut. Et du coup, du treated wood. Je sais pas si un stack et un stack ça sera suffisant, on verra. Alors, fais voir. Yes, on a les 4. Parfait. Ah oui, par contre, il va nous falloir des câbles. Ah, creuse pas ta tombe. On discute. C'est juste que de la façon dont tu l'as dit, j'avais juste l'impression que t'étais en train de te dire que j'étais en train de faire n'importe quoi parce que j'avais ci, j'avais ça. Alors que, après derrière, quand tu joues à Minecraft, tu as un milliard de façons différentes de faire une maison. C'est pas pour autant que si quelqu'un fait une maison, tu vas dire non, fais pas comme ça, y a comme, tu peux faire comme ça ou il faut faire comme ça. Merci Pepperman, j'ai bu un coup, c'est bon. Alors. Donc oui, il faut faire ces connecteurs là. Et il va nous falloir des microchips comme ça. Parce que je fais des microchips, j'en ai plus que 3, je vais les utiliser et il faudra qu'on les recrafte plus tard. Et on va le faire avec le boosting. Clac, clac, clac. Hardened Glass. Bon, je vais utiliser le style, ça devrait aller. Ouais. Et du coup, compressé d'obsidienne. Sept, c'est suffisant ou pas? Non, il nous en manque 2. Voilà. Alors, j'avais mis ça ici, hein. Il va nous falloir 4 de dirt que j'ai pas récupéré. Alors je mets plus les Je mets plus les rediffusions de MLG's Aventure 3 sur YouTube parce que les gens ne veulent pas quand je suis en stream. Tout simplement. Par contre, elles sont toujours sur Twitch. Alors le problème c'est qu'il y a la graine de skeleton que j'aimerais garder telle qu'elle. Donc je pense que lui je vais directement lui mettre un chest devant. 4, voilà. Ok. Slime, gold, skeleton et emerald. Skeleton, gold, slime.
commencer par mettre de l'eau et de l'énergie là-dedans. Les gens ne veulent pas, c'est-à-dire, je comprends pas. Bah, je voulais faire une rediff hier. Et puis on m'a posé la question un milliard de fois. Est-ce qu'il y aura rediff? Est-ce qu'il y aura rediff? Est-ce qu'il y aura rediff? Je fais, bah non, il y aura pas rediff finalement, puisque je mets de la musique non copyrightée. Comme ça, tout le monde, il est content. Hop là, on va mettre South. Ok, et là j'ai juste à faire insertion. Normalement, ils reçoivent et de l'eau et de l'énergie. Ils sont full énergie. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ok, ça va produire des essences maintenant. Slime, on va directement le crafter. Gold aussi, skeleton non. Et ça si. Par contre, il va nous falloir un chest. Je vais aller en chercher un rapidos. Par là-bas, la sortie. Ça marche, Didi, à bientôt. On peut dire que ton jean est slim. Alors, je ne suis pas en jean. Voilà. Ok, donc voilà, on va récupérer les essences. Slime, gold et émeraude. Il faudra que je fasse des drawers pour ça. Là, ça va être une extraction. 60, pareil ici. Hein. Et un chest normalement plus bas. Et là. Ouais, skeleton. Extraction. Nickel. Donc ça, faut que je fasse un drawer pour ça. Ça aussi. Il va rester gold et émeraude à faire et on est bon. Tu es tout nu? Ah bah ça je vais pas vous le dire. Mais si ça peut vous rassurer, non. Ça marche, Wewen. A bientôt et merci d'être passé. Alors, essence. Il va nous falloir gold. Alors évidemment on a du gold dans le stockage. Il faudra qu'on vide ça à un moment. On n'y est pas encore, on en le fera. Ok. Emeraude, gold et slime. Voilà. Ça c'est fait. Donc au final. Ah oui, sugarcane. Faisant plein, plein, plein. Et on va te grinder. Je crois que je peux directement mettre ça là-dedans. Hein. Ouais. Ok, donc le sucre, ce sera pas un problème. Il nous faut les data. Slime, on va les récupérer. Sucre, on est en train de le faire. Emerald, je peux aller me le faire. Bonne mille. Bonne mille. À mon avis, je vais utiliser les autres dragons en attendant. J'ai mis une insertion au lieu d'une extraction. Je vais aller vérifier. Oh. Allez. Si je me souviens bien, t'en as pas tant que ça du gold. En 3 clics, tu le ranges où il faut. Oui, oui, oui. Tu sais, tout est en extraction là. Tout est extrait, y a plus rien dans les stockages. Alors je peux attendre que. Qu'il y ait un gold qui se fasse là. J'ai pas de dragon électro.
Le gold, il s'en va. Ah oui, site alpha, j'avais prévu de le faire ici. Là où je suis actuellement. Mais je sais pas comment je vais le faire encore. Et du coup, est-ce que ça, ça part? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est presque un mythe. Mais on m'avait dit que dans l'épisode 8, saison 8, on le voyait le site alpha. Donc je regarderai ça. Donc oui, Bone. Non, c'est Squeleton Essence. Mais de toute façon, on va prendre deux stacks de ça. On va prendre le Mortar. Ouais, dans un épisode. Ouf. Bonne mille, ça devrait aller, ça. Ça devrait aller. Alors je peux vous annoncer d'ailleurs que demain ce sera du DDSS. Hein. Je viens de voir avec Edo et Auré, demain Auré ne peut pas. Donc les os c'est bon, les slimes ça va arriver, le sucre je peux juste lui donner. Le sucre ça va être good. Hein. Le sucre c'est bon, il va nous manquer les émeraudes que je vais aller miner manuellement. Et enfin les fameux microchips. Et microchip, ça va me demander des transistors. On va utiliser nos boosting mixtures pour aller plus vite dans les crafts. Hein. Donc émeraude. Là, il nous faut la wand. Et on va prendre le hammer qui possède un fortune 3. C'est lui qui boxe ça. Ils en parlent beaucoup dans la série d'après ce qu'on me dit. Hein. Mais après le truc c'est que la série je l'ai pas encore entièrement. Et que ça prend beaucoup de temps à regarder. Salut l'ISG. Alors ça, ça va être good. Ok. Ok, il va nous manquer slime qui vont arriver petit à petit quand je vais faire mes microchips. Let's go. Donc microchip. Il nous faut les transistors. On va utiliser le craft avec le boosting mixture pour d'une aller plus vite et deux en avoir plus. Hein. Donc plate. Je vais en faire plus. Tiens. Tout cet ovium. Moi je suis à la saison 5, Ball vient tout juste de montrer le bout de son nez pour la première fois. Oh, je sais plus qui c'est Ball. Ah le Venmine, ouais il aurait été sympa. Bah, on a plus ou moins un Venmine sur le pack mais c'est avec des enchantements Vanilla. Enfin Vanilla sur des outils non Tinker. Alors. Gold. Iron. Redstone. Pepper. Et enfin boosting. Peut-être faire un demi-stack. On va faire les fous, je vais en avoir beaucoup trop sinon. Allez du coup, c'est quoi qui me demande? De la super glue.
Voilà, super glu, t'en as. Et ça craft vite. C'est l'avantage. Donc on est censé avoir 4 stacks de ça. Comment tu fais le boosting mixture? Avec le Refine Boosting Mixture qui se fait dans le Fluid Enricher avec le Roboosting Mixture plus du Naquada. Le Roboosting Mixture se fait dans un Liquid Mixer avec du Blood et du Dark Magic. Microchip, vu qu'on en a besoin de pas mal, je pense qu'on va partir sur un stack complet pour crafter. Et on va partir sur ce craft là. Donc plate, un stack. Donc on aura 8 stacks de microchip. C'est pas mal. Gold, 2 stacks. Red alloy, 2 stacks. Électrotine. Et enfin, boosting, un stack. C'est parti, 8 stacks. Crochip, on en aura un petit peu. Alors la musique, personnellement, elle est vraiment baissée. Hein. Si je la baisse, on l'entend plus du tout. Et salut à toi, Nucleos, d'ailleurs. Non, le sang, je mets celui que je récupère avec les arbres de Evilcraft. Il y en a qui l'entendent peu la musique. Oh la super glu, ça rentre pas assez vite là-dedans. Hein. Bon, après, vrai, il fait ce qu'il veut sur ses streams. Il y en a qui mettent pas du tout de musique. Hein. Ok, donc là je peux laisser le reste ici. On va pouvoir ranger ça. Maintenant, dis-moi que les data, je peux faire un stack. Non, il me manque juste les slimes. Ah, what? C'est pas grave, on va repartir pour faire les bourrins. Hop. Moi, je peux tout prendre. Hein. Redstone. Paper. Boosting. Boosting, j'en ai plus que 30. Il va m'en falloir un peu plus. Je peux en refaire là-dedans. Il va me falloir du Elven. Non. Du coup, glace. C'est quand même pratique d'avoir des mana pool pleins. Ouais, microchip, ça va être quelque chose qu'on va devoir autocrafter rapidement. A plus tard, Kletz Chalak. Et la déco de la base, non, elle n'a pas encore été avancée. C'est pour faire un stack. Par contre, ça me dérange qu'il me regarde plus ceux-là. Hein. Pourquoi il me regarde plus? Je sais pas. Pas chercher à comprendre.
Il faut que je remette du sang et du dark magic, hein. Dark magic, je vais te reprendre ça. Tank, on va prendre le gros tank. Tiens. La blood. C'est quoi, normalement j'ai ça. Est-ce que je peux me le re-remplir ça? Ouais, je peux récupérer un petit peu de sang sur moi. Comme ça, ça vide ce qu'il y a là-dedans. Ok. Je peux récupérer ça, faire ça, ça. Et ça. Ça me le remplit de sang, et du coup tout ce que j'ai à faire c'est récupérer ça après. Pouf. Et on attend. Oui, il a fait demi-tour. Je sais pas pourquoi il a fait demi-tour, mais il a fait demi-tour. La Koda, il en reste? Non. Récupère le reste si tu peux. 250. Okay, on est bientôt full ici. Et full. On va pouvoir récupérer sa full et le vider là-dedans. Et là on va récupérer du Refine Boosté Mixture. Ah, le troll des 250 total. Il faudrait que j'ai un deuxième stack pour histoire d'être vraiment bien. Ça devrait se faire. Ça se fait easy. Oh, ça se fait large easy. Il en reste deux là-dedans. Ouais, largement. Je vais même en refaire, tiens. Comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. On va prendre un... pas de ça. De toute façon, on peut aller directement en haut. Alors, vivement qu'on ait un coin Botania, qu'on puisse automatiser tout ça, là. Glace. On attend l'autre petit stack. Là. Tu me diras. Ouais, non, c'est pas grave. De toute façon, ça va vite les crafts des boosty mixtures. De toute façon, on coupe le stream uniquement. Là, je regarde le temps. Hein. Enfin, je regarde l'heure. Uniquement quand on aura notre stack de Carpenter. Pas avant. Ah. Avec galère, pourquoi? Pourquoi tu galères? Je vais regarder avant. Pourquoi il galère? Ah, parce que t'as plus d'énergie, oui. Où est-ce que c'est du coup? Je l'ai pas sur moi. J'en ai un Quantum, tu me diras. Mais je crois que l'autre Quantum, il est là-bas. Hein. Il est là-bas, l'autre. Ok, c'est bon. Il te demande quoi pour avoir les focus pour Botania, c'est-à-dire les focus. On en a 3 là. Parce que là actuellement sur le modpack on est bien avancé, on pourrait avancer à fond sur Blood Magic, on pourrait avancer à fond sur Evilcraft, on pourrait avancer à fond sur Botania. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait avancer à fond. Et de toute façon, il faudra qu'on s'avance à fond.
Ah, les sparks, techniquement, je pourrais me les faire là. C'est bientôt fini? Ouais. Tiens. On va récupérer les 250, hein. Voilà. C'est full. Tiens, et du coup, on va pouvoir récupérer 3 full. Donc 3 stacks. Normalement. Tiens. Pas 3 stacks finalement. Touk. Oh, regardez-moi tout ce boosting mixture. C'est bon, on est full là. Clac. Voilà. Ça, ça dégage. Et ça, c'est bon. Quasiment 4 stacks de boosting mixture. Donc ça, c'est bien. Donc on veut refaire des transistors. Et allez. Et on attend un petit peu. Bah là avec la graine de Mana Steel, j'aurais plus jamais de problème avec le Mana Steel. Vu qu'entre ce live et le prochain, ça aura le temps de tourner un peu. Ok, il a déjà fait un demi-stack de tout ça. J'ai déjà plus de... Une blague. Ah non. C'est bien aussi. C'est juste le temps qu'ils leur mettent dedans, je pense. Ouais, c'est le temps qu'ils leur mettent dedans. Et du coup, microchip... Et 8 stacks, c'est quand même beaucoup, hein. 8 stacks, c'est beaucoup. Ok. Donc 2, 1, 1. Gold, encore. Red Alloy. Électrotine. En espérant que ce soit bon. Alors Electro, si tu veux savoir si les snapshots sont sortis, tu peux regarder sur le site officiel Minecraft.net. Sinon sur le launcher, techniquement s'il est sorti, tu peux y avoir accès. Mais si elle n'est pas sortie, bah tu n'y auras pas accès parce qu'elle serait, parce qu'elle n'est pas sortie. Ouais, il manque du liquide, ça arrive, ça arrive. Ah, super glue qui arrive pas assez vite. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure dans le chat, comme quoi il n'y avait pas de snapshot cette semaine. On est mercredi, hein. Donc s'il n'y a rien eu qui est sorti aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien eu qui... Enfin, c'est qu'il y a rien qui sortira. Quoique, je crois qu'ils ont déjà sorti des snapshots en dehors du mercredi. Hein. Ok. Nickel, on a tout. Go.
Il n'y a plus qu'à attendre, gentiment, mais sûrement. Parce que là, il y a plein de choses à faire en même temps. Il doit crafter plein de trucs. Et vu que les crafters sont pas très rapides... oui, le live va se terminer. De toute façon, j'ai dit qu'on terminerait le live quand on aura fait le stack de Carpenter. Et merci, Elixkun, pour ton 5e mois d'abonnement. Un peu de retard pour me réabonner. Mais encore merci pour ton travail. C'est toujours un plaisir de te voir écouter. Merci beaucoup, Elixkun. C'est très gentil. Ouais, bientôt le stack de Carpenter. L'objectif qu'on s'est fixé en début de stream et qu'on a mis 3 heures à faire. Je suis pas pressé, hein. J'ai pas un train à prendre, tu sais. C'est juste que je me suis fixé l'objectif de faire le stack avant de couper le stream. C'est long, hein. C'est long. Aïe, 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 aïe. Du coup, je pense que si j'ai le temps, j'essaierai de faire d'autres salles pour Blood Magic. Je sais pas où on le mettra, Blood Magic, d'ailleurs. Mais il faudra qu'on lui trouve une place, Blood Magic. Notamment parce qu'il faudra qu'on installe le système avec les sorcières. Astral, il faut qu'on le mette à l'extérieur. On verra. Pour l'instant, je sais pas trop. Ça va être là-dedans que ça va se passer. Allez, il y en a 10. Il est en train de crafter ça. Ça arrive petit à petit. Bah c'est bien cool, Minecraft Dungeon. Oui, je valide. Ah oui, ce soir, Al-Kazim, il est sur Tezo. The Elder Scroll Online. La déco en attendant, on va pas avoir le temps de faire quoi que ce soit en déco en attendant. Ouais, il est vraiment dur le modpack, oui. Il y a énormément de choses à voir avec le modpack. Ah non, c'est pas le même craft qu'en cours. Là, on est en train de crafter les data storage circuits. On a fait plein de choses entre temps. On a fait 4 nouvelles graines. On est parti chercher des anciens dust. Pour se faire 4 nouvelles garden cloches. Et pour se faire énormément de microchips. Qu'on a bien avancé en une heure. Mais là, il y a une autre Blood Magic qui arrive. Blood Moon, pardon, qui arrive. Donc techniquement, si on regarde ça, ça va commencer à devenir rouge petit à petit. Normalement. On va le fixer. Est-ce qu'il va se faire en fondu ou est-ce qu'il va se faire d'un seul coup? Alors dans la salle d'interrogatoire torture pour les sorcières, non, parce qu'il n'y aura clairement pas assez de place. A plus tard, Ewiza. Bon, au final, ça fond en fin de compte au niveau de la couleur. Ça se transforme petit à petit en rouge. Ça se transforme pas d'un coup. Les crafts des Action Cards sont vanilla, elles n'ont pas changé. C'est les composants de base qui ont changé, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ouais, un fondu en rouge qui prend son temps. Oh. Ah voilà, et bah pour les 2 dernières minutes... Vous avez le droit de spammer les émotes. Parce que là, on attend sagement qu'on ait les derniers data storage. Pour crafter le nécessaire. Et du coup, les action cards, c'est ça. Hein. C'est craft par défaut, ça c'est craft par défaut. Il y a juste ça qui n'est pas craft, qui n'est pas craft pardon, par défaut. Je sais pas pourquoi cette musique me fait penser à Earthworm Jim.
aucune idée de pourquoi. En tout cas, pour la suite de Minecraft Dungeon, ce sera vendredi. On n'a pas encore d'heure actuellement. Je sais pas si ce sera 14h, je sais pas si ce sera 15h, voire dans la soirée, je ne sais pas. Mais demain, ce sera du DDSS, demain après-midi. Allez. On y est presque, il a bientôt terminé de crafter les cartes là. Il en reste 25 à crafter. Et bonsoir Saruna. Une fois qu'il aura terminé, il nous fait quoi du coup? Je crois qu'il est coincé. Alors pourquoi il est coincé? Dis-moi tout. Là-dedans il y a quoi? Il n'y a rien. Là-dedans il n'y a rien. Les trucs qui se craftent là-dedans. Il n'y a rien qui se craft là-dedans. Donc le craft est planté. Hein. Il nous en manque 29 à faire. Allez, on rebalance. Pourquoi ça a planté, je sais pas. Mais on y retourne. Attention, dans 3 secondes, il n'y a plus d'émotonly. 3, 2, 1. Terminé. Et celles et ceux qui arrivent, vous arrivez sur la fin du stream. On attend que ce craft se termine pour pouvoir se faire un stack de Carpenter. Machines qui vont nous permettre de faire des crafts. Une fois qu'on a crafté notre stack, on s'arrêtera là. Et je vous enverrai probablement chez monsieur Alkazim, qui fait du Tezo. Mais c'est pareil, l'infirmerie, je ne sais pas où elle est. Et ça me demanderait au final de passer des heures et des heures et des heures à refaire de la déco. Il plante, hein, je sais pas pourquoi il plante, c'est chiant ça par contre. C'est agaçant. Donc comme je disais, l'infirmerie, je sais pas du tout où elle est. Et il faudrait que je fasse le nécessaire pour faire l'infirmerie. Et est-ce que l'infirmerie sera assez grande pour installer une structure qui fait 19 par... Enfin, combien? Je crois que c'est du 21 par 21 par 21 Blood Magic quand c'est en tier 6. Je sais pas si j'ai besoin du tier 6 dans ce modpack, mais c'est vachement grand Blood Magic. Hein. Donc je sais pas du tout. Je pense que ce qu'il plante, c'est ça. Pour avoir ça. Il doit pas avoir la fresh water nécessaire. Ah, tu sais pourquoi il a pas la fresh water? Je sais. Ah bah non, pourtant il en fait 4. Je sais pas. Putain, c'est vraiment stylé en rouge. Hein. Allez. On y croit. Ouais, c'est peut-être tout un étage l'infirmerie, mais en termes de hauteur. En termes de hauteur, ce sera pas plus grand que ça. Ça, c'est la salle, l'une des salles les plus grandes. L'infirmerie, c'est plus petit en termes de hauteur. Parce que ça, la taille qu'on a en termes de hauteur, c'est à peu près la taille qu'on aura besoin pour Blood Magic. Il en manque 12. Ah. Apply dans toute sa splendeur. Je sais pas pourquoi il plante. J'ai l'impression qu'il veut crafter ça avec ça. Ça doit être ça le problème. Le problème c'est que si je fais ça, il va pas récupérer les slime balls. Ouais. Oh. Les relous. Tant pis, on va faire avec, hein.
On a bientôt terminé de toute façon. Je pourrais faire un entrepôt, effectivement. Il en manque 6. Et merci à Taz pour ton 25e mois d'abonnement, juste de passage pour labo. Plus dispo pour les lives avec tes horaires, mais il y a la rediff au mois prochain. Merci à Taz, alors vite fait avant que tu partes. On a fait un sondage tout à l'heure pour savoir si on allait reprendre les streams le soir. Et les gens sont grands ouverts pour reprendre les streams le soir. Donc très probablement qu'à partir de la semaine prochaine, on reprendra ça le soir, je pense. Faut encore que j'y réfléchisse. Alors je vais pas mettre ça dans une autre dimension parce que si on veut faire des crafts, il faut que ça reste à proximité quoi. Reste 3. C'est incroyable, plus ça va, moins il en fait le truc. Hein. Fais-en 10. Il veut pas évidemment. Parce qu'il me faut. Normalement, les séries, il y a plein de salles de recherche, etc. Donc, TKT, pas. Tu peux faire plein de salles partout. Oui, je me doute que je peux faire plein de salles partout. Mais moi, je te parle de la taille des salles. Blood Magic, ça prend énormément de place. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça avant craft. Il y a un craft, à mon avis c'est le fait qu'il essaye de faire le grog, qui ne récupère pas la fresh water pour le crafter. Parce que là tu vois il lui reste de la fresh water mais pourtant il le crafte pas celui-là. Alors qu'il devrait. Et à mon avis ce qui se passe c'est qu'il récupère les buckets d'eau pour crafter ça. Là il est encore planté, juste pour un il est planté quoi. Allez. Allez. Ça m'en fout. Purée, ça y est. Donc ouais, le craft, il faut absolument qu'on ait beaucoup de slime. Pour qu'on puisse enlever le hors dictionary de ce truc-là. Du coup, Carpenter, boum, clac, le stack de Carpenter. On est bien, on est beau, et c'est là-dessus qu'on s'arrête. Oh my god. C'est ça, il y a un conflit, ouais. Ouais, il calcule absolument mal le nombre de freshwater. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous donner rendez-vous demain après-midi pour la suite de DDSS, sinon demain matin pour du ML2G Adventure 3. On va continuer les fours auto. Pour ce qui est de Minecraft Dungeons, ce sera vendredi. Je ne sais pas encore à quelle heure, je vous tiendrai au courant demain si j'ai des news. Techniquement, je devrais avoir des news demain, donc vous le saurez demain. En attendant, je vais vous envoyer chez Monsieur Alkazim qui fait du Tezo, donc du Zelda Scroll Online. Un jeu très sympa sur lequel Alkazim passe beaucoup de temps, il aime beaucoup ce jeu, donc n'hésitez pas à le soutenir sur ce jeu, parce que ça lui a... Il adore ce jeu-là, mais le problème, c'est que si vous voulez, ça va lui casser ses stats sur Twitch. Et ça l'embête un petit peu. Mais évidemment, vu que c'est quelqu'un de simple, comme moi, il s'en fout un peu, il veut juste jouer et s'amuser. Donc, voilà. Si vous êtes à ses côtés, n'hésitez pas à lui dire coucou. Peut-être à regarder ce que c'est comme jeu, si vous connaissez pas. Mais bref, je vais vous laisser. Une bonne soirée, et à bientôt. Bye.